It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Et ouais, y'a chinois aussi qui sort. Mais ça, j'ai un plan, Skitok. Problème, c'est qu'on va pas taper les flics deux fois le même soir, tu vois. Déjà, moi, le bail des keufs, moi, je t'ai dit, on prend pas d'armes lourdes. Si, on peut, si, on prendra, mais... Bah, il y aura que toi, alors. On prendra... Ouais, moi, je prendrai que moi. De toute façon, on va arrêter de sortir des... De toute façon, on va arrêter de sortir 12 000 armes, hein, sert à rien. Là, on sort 12 000 armes toujours pour rien, sert à rien. Prenez que des guns, prenez que des guns. Hier, c'était utile, mais là, sert à rien de prendre des pétards pour rien. Donc, tranquille. Chinois, en vrai, on pourrait missionner quelqu'un, hein. Tu missionnais qui? Parce que là, la tablette, en vrai, il faudrait la récupérer. Les flics, ils auront leur dose de notre part ce soir, mais... Ben, on en peut fait, envoyer... J'ai un plan, si tu veux, pour Chinois. Hein. C'est quoi? En gros, t'as vu le proc qui s'occupe de cette affaire? Il est tout le temps, genre, devant le bureau du DOJ et tout seul. T'as vu? Et s'il y a un monde où on le pète, t'as vu? Et genre, pendant genre 24-48 heures, prise d'otage, t'as vu, on garde et on leur dit, ben, c'est simple, il n'y a pas de procès. Et vous allez libérer... Mais il a eu son jugement déjà ou pas? Mais il y est là. Il va aller là, au là. Jugement. Là, il y va. C'est là, c'est là. On là. Peut pas le libérer au jugement carrément. On rentre. AK. Dis bonsoir. C'est chaud. C'est chaud. Non, bah, surtout que dans tous les cas, ça partira en course-poursuite. Donc dans tous les cas, ça nous fait faire deux trucs contre les flics ce soir. Mais il a fait quoi? Attends, il a fait quoi Chinois en fait concrètement? Là, si on le libère pas, il prend perpète. Non, mais c'est quoi les faits en fait? C'est fait 12 meurtres, je crois. Oh! J'ai attendu. Hein. Oh, force à vous. Force à vous. Après, avec un peu de chance, il va prendre que 5 ans. Non, mais il va se faire baiser. Mais dans tous les cas, non, mais on peut missionner des gens. On peut demander aux. En vrai, même les YBI, peut-être ils nous feraient ça. Hein. Péter les flics? Ouais, t'appelles quoi? Non, ce soir, les YBI sont pas dispo, ils vont racheter les Iron White à manger. Sinon, on peut demander aux HPB. Hein. Bah ouais. Voilà, tu leur donnes un bon gros billet, 50$ et voilà. Parce qu'en vrai, les HPB. Que ça. Non mais 50K quoi, il veut dire. Non, 50$. Ah ok. Oh je non, mais dis pas là, il est pas là. Ah y'a moyen. Il me répond pas. Ça me fait boire. Tout le monde y veut ça pas. Eh ben nickel, on va aller se faire enculer. Pire, on missionne les Rainwater. Je t'en veux dans les bises. Ils sont morts. Comment ça, ils sont morts? Non mais je rigole mais alors, ils sont fatiguestres. En fait là si tu veux taper des keufs c'est mal. Putain on aurait dû faire chanter Apache Music la vie de ma mère. Chante mon Tipeee, wouhou. Avec sa grosse voix là. Ah j'aimerais trop avec sa télé derrière. Apache. C'est un malade. Et tous les soirs il regarde un film. Tu sais que la vie de ma mère hier, t'as vu? Il y a un moment, il parlait, j'ai cru qu'il était à la piscine. Il y a un moment, Skittles, il l'a taillé, la vie de ma mère. Lui, il savait plus quoi dire, il a plus parlé, on entendait des explosions derrière. Ah, oh, c'est des bâtards. Non, en vrai, le truc. A qui à boire en vrai? Ton père. Tiens, ça serait le mieux, Skittles. Comment ça, ton père? Sinon, on peut demander au Rod, hein, Rod Knights. Sous comme belle. C'est comment et... les Wolfies. Ah, mais attends, et les ABZ? Eh ben, ils viennent d'arriver, ils vont pas y aller. Les Absolutes. Ouais, les ABZ, ça va être chaud, hein. Ça reste des. Oh, même si on les fournit en. Oh, hier, y a un même si on leur prête des meurs. Si on leur prête des meurs. Flemme de leur prêter. Bah, frère, après, regarde. Sinon, on peut tout faire d'un coup, mais moi, je trouve ça un peu beaucoup. Hein. Libérer un gâteau, en plus, moi, je pense ils vont jamais accepter. Moi, je pense ABZ, on va les voir, on leur dit voilà, si vous tapez le truc, on vous donne tant. Si vous avez pas assez d'armes, on vous en donne, mais vous êtes moins payé. En fait, il y a un problème qui se pose, les gars, là. Le problème, c'est que il y a le truc de Chinois et non, il faut faire le truc de la tablette. Parce qu'en plus, si on arrive à faire les deux en même temps, ça peut nous mettre bien. Ça tombe bien. Hein. Ils voudront pas, à mon avis, lâcher un otage et la tablette. Hein. Non, mais en fait, faut en avoir deux. Non, mais en simultané. Pire. En gros, nous, on va taper des flics d'un côté et de l'autre côté, il y a le convoi. Donc, les flics, ils seront moins. Tu vois ce que je veux dire? Non. On pète Chinois. On leur dit, on vous le rend à une condition, vous nous rendez la tablette. C'est arrêt, mais...
Et on fait quoi du coup quand ils nous donnent la tablette? Bon, rang chinois. C'était con. T'es un fils de pute. Alors que si on le libère, il peut nous en construire une de tablette. Ah ouais. Il est trop con, il a pris premier degré. Putain, non, machin, non, mais en vrai, on libère chinois, c'est bon, il nous construit un iPad et on. Ouais. Okay, je viens de comprendre. Non, mais en vrai. Au final, au lieu de taper. Les chinois ou tablette, le choix est dur. Tablette, hein. C'est une dinguerie, t'imagines, tu moi, t'es pas libéré juste pour un iPad 2. C'est une moi, folie. Hein. Un iPad 2, 512 gigas. Ah, j'aurais trop le seum. Laissez-moi réfléchir. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de contacter les HPB. Hein. Tu veux que j'appelle Kendrick? J'ai toujours envie. Moi, j'ai qui dans mon répertoire? Il répond pas. Vous avez pas Leroy des HPB? Non. J'ai Roller. C'est qui Roller? Je sais pas. Bon, j'ai Silas des Grèpes. C'est une carte. Il est en retard. J'ai Alex Hitchens. Ah, moi aussi je l'ai, Alex Hitchens. Il est où déjà? Ah non, je crois que je l'ai pas enregistré. J'ai pas besoin de conseils. J'ai un numéro d'un malo si vous voulez. J'ai Awax si tu veux. Allez, bisous, je t'en boucane. Je t'en boucane, allez, bisous. Je t'en boucane. J'ai Matthew Baker si tu veux. Ah bah vas-y, Matthew Baker, il va te. Ou alors j'appelle les YB et on y va à deux, on le fait à deux. Attends, tu veux le numéro de qui? Au pire, j'ai Dolores, hein, Skidels. Franchement. Tu veux le numéro de qui? Un HPB. Tiens. Leroy. Attends. Je sais pas si c'est Leroy, mais c'est marqué HPB. Marc 5550. Parce que tu puis trop ta mère en compte. Va te faire enculer, frère. Cash. Wagwan. Attends, prends le truc à Cash là. Prends le truc, moi je lui donne le tech. Moi je vais garder un pompe. Et je vais aller poser la K. Et l'autre tech. Des balles. Des balles de gun. Ouais, ouais. T'as un gun ou pas, Floca? Ouais. T'as des boîtes? J'en ai que. J'ai que 22 Vas-y, balles. Donne-lui, donne-lui. À qui? À Cam. Il mérite pas, lui. Il m'a fait plein d'un scorpion déjà. C'est bon, t'as assez, Cam là. Prends juste 20 balles, enfin histoire d'en avoir deux chargeurs. Il s'appelle T'as vu, regarde. Hein. Moi, je veux bien 12 balles de gueule. Moi, je t'ai rendu le Glock. Moi, il fallait juste des balles. Vas-y, moi, je prends AD et. Je prends AD et Cam. Toi, tu prends Charba et Cash, c'est bon? Non. Ok. Je prends pas Charba, je préfère Dems. Ah bah y'a Dems. Non, j'ai gueule, viens Charba, viens. Bah moi je prends Dems avec moi. Merde. Ouais, on commence bien. Je suis attrapé comme Naruto, cousin. Tu prends le Astron? Tu veux pas en prendre le. Moi je veux bien l'Argento. Bah donne-moi le Astron alors, s'il te plaît. Tu veux le Astron? Ouais. Va changer la couleur. Oubliez pas, on a tiré sur les chefs. J'ai pas d'argent, frérot, tu feras attention. Bah tiens, je vais donner. Bah vous paierez avec je sais pas quoi, payez avec une carte. Frérot, je n'ai pas d'argent. Charba et. Vous avez rien là? Non, on a rien. Frérot, y'a que toi qui as 10 millions dans ce groupe. Il a 5000, Charba, ça suffira. Frérot, je suis pas sûr là, mais vas-y. Si, ça suffira. Oh, l'argent aux pommes vertes, elle me fait peur, moi. Régale, moi. Tu veux pas changer la couleur de la pomme verte? Tu veux pas changer la couleur, hein? Non. Bah, y'a les animateurs qui la connaissent, mais. Y'a que moi, je porte des lunettes là dans cette voiture? Non, y'a moi. Ah. Tu peux enlever tes lunettes en 2-2? Pourquoi? Non, mais genre, les. Juste. Genre, tu les enlèves, tu les mets juste dans ta poche et dans 2 minutes, genre. Ouais, c'est sûr. Deux zubs. C'est bon? Je comprends rien ce qui se passe. Je suis bourré ou t'inquiète, c'est quoi? T'inquiète, je cherche pas à comprendre. Otagan. ouais, bah oui. À qui le dis-tu? Vous savez. Pour vous provoquer, mais c'était pour vous provoquer. Vous le savez. Désolé, man, désolé. Voilà. De Lincoln 17, je possède un 1038, une argento verte occupée une fois. Hey, c'est toi, t'as la carte grise ou pas, AD? Non, c'est moi qui t'ai la carte grise. Merde, je l'ai pas sur moi, c'est pas grave. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, et vous, c'est comment votre nom? C'est Skittles, c'est ça? Skittles, ouais, exact. Venez par ici. Attendez, je sortais mon permis et tout, mon portefeuille. Sur le bord de la route. Venez. Aïe. Monsieur Zachary, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Ouais, bah c'est vrai. C'était dans votre skito. Ouais, bah là en ce moment il est fermé, il y a des gens qui l'ont fait exploser, donc j'ai pas le choix. Hein. Oui, j'étais là le soir où il a brûlé. Les autres personnes, s'il vous plaît, pouvoir monter dans le véhicule. Vous avez peur?
Alors, c'est la procédure, monsieur, tout simplement. S'il a une cagoule, c'est normal, hein, c'est... il a été brûlé, donc il a un certificat médical. Oui, c'est, hein, comment en il tout s'appelle, cas, c'est moi le propriétaire du véhicule, si vous demandez. Comment il s'appelle? Comment vous appelez, monsieur, déjà? Ezra, pourquoi? Ah, parce que j'avais déjà un gars dans votre quartier qui... Bison. Ah, Bison, ça. Ouais, mais non, c'est autre chose. Ah, Bison, voilà, exactement. Mais c'est pas Bison, lui, ouais, mais c'est presque c'est pas pareil. Lui. Ok. Ouais, alors j'ai pas la carte grise sur moi, c'est un ami à nous qui l'a. Parce qu'il la conduisait hier, okay. Mais si vous voulez la plaque, normalement vous trouverez Liam Bell, c'est le moi, copilote c'est là, c'est juste à côté. Ok, c'est moi vérifié. Alors la plaque est derrière. Il y a pas de plaque à l'avant, c'est bizarre. Monsieur Bell. Ouais, bon, le ah, monsieur bleu. Moche. Bref, petite blague. Ça, pourquoi pas, pourquoi non, pas, mais pourquoi ouais. pas, on peut tenter des choses comme ouais, ça, vous voyez, on peut... Ça se tente. C'est des choses qui on sont... On n'est pas fermé à la rigolade. Voilà, exactement, faut avoir un peu d'ouverture, quoi, c'est... Ça me casse les couilles, bouffon. Liambo. Putain. Ouais. Très bien. Pouvez me représenter votre permis ici si. Ouais, attendez, je l'ai rangé. Permis de conduire. Tenez. Merci. Tac. Parfait. Bon, vous savez pourquoi je vous arrête. J'ai ouais, désolé. J'ai voulu faire le malin tout ça, avec tout vous. Ça, mais... la vitesse. Ah oui. Bon, après, ça va. Vous savez quoi? Je suis de bonne humeur pour une fois. Ah, bah, ça fait plaisir. Si vous êtes de bonne humeur, je suis de bonne humeur. Vous pouvez y aller doucement sur la pédale. Si ok, vous... pas de soucis. Ah, attendez un instant. Attendez ah, un instant. Allez-y. Allô? Oui. Je te rappelle. Ah. Attendez, monsieur Ski. Ouais. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Ouais, pas de soucis. Attendez. Un PQ. De 17, j'aurais besoin d'une unité sur moi, s'il vous plaît. Très bien, monsieur Skittle, je suis désolé de vous annoncer que vous allez être placé malheureusement en état d'arrestation de la part d'un de mes collègues. Je vous demandais de vous mettre contre le mur. Ah, pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un mandat d'arrêt à votre nom. Ah. Je ne peux même pas putain, vous dire. Quel dommage. Non, monsieur, restez. Non. Baissez votre arme. Quel dommage, monsieur baissez votre... Fuck, man. Je te le dis, tu vas pas le faire. Deuxième sommation. Ok. Y a pas de deuxième okay, sommation, je vais t'allumer. Y a pas de deuxième sommation. Recule, baisse ton arbre. On va baisser, on va baisser. Ah, on va baisser voilà, je te dis. Vas-y, grimpe. À la prochaine. Bon. Ah, j'ai un mandat d'arrêt au cul, on sait pas pourquoi, mais ok. Ah, la devine, la tablette, hein. J'ai des mandats tous les jours, frère. Ils me font des descentes, ils ont un mandat. Oh putain, oui. Je suis passé pile entre les deux. Oh, taxi, ça, calme-toi, s'il te plaît. Par contre, là, avant de changer une argento verte, bonne chance pour moi. On va les changer là, on va les prendre une Buffalo. Plan clair, on va checker s'il n'y a pas un tracker et on va. Non, pourquoi je suis déjà recherché par les flics? Yo, fuck man! C'est sûr de que c'est la sûr tablette. Pour l'enquête, man. De sûr c'est pour l'enquête, gros. Oh, le nombre d'appels à la seconde que j'ai. Bon, allo? Mais pourquoi tu me fais endurer ça? Pourquoi tu me fais endurer ça? Ben Renaud, c'est pas vraiment ma faute. Là, compliqué. T'as eu des galères. Maux de crâne, etc. Donc vas-y, parce que là, le matos. Je fais un petit rendez-vous en attendant là. Ok. Ton matos, tu l'as rangé? Mon matos, il est prêt. Il est dans le Moonbeam. Il est prêt à démarrer. Ok, vas-y. Bah dès que t'as fini, tu me dis si je suis disponible. C'est bon, vas-y. Je t'appelle. Là, je suis dans le coin. M'autorise à t'harceler? C'est bon? Ben ça change rien parce que de toute façon je suis en mode avion, mais t'inquiète, je vais penser à toi, je vais l'enlever dans 5 minutes. Vas-y, c'est carré, vas-y, bah dès que j'ai fini, je t'appelle. Oui, c'est bon. Faut de quoi? Oh la fille, me fait peur, fils de pute, va. Prends ta chaud, sale salope. Vous avez dormi, pourquoi vous étiez là? Je me dis pas, vous avez dormi, vous l'avez perdu, il fumait. Ah ouais, c'est un resto ici. Stylé. POV, on passe par faire la pute. Oula, j'ai rien compris. Ouais. J'ai rien demandé, moi. C'est chaud si tu as un mandat d'arrêt. Enfin... Gade-les les cons. C'est pas un faux jardin. Non mais c'est n'importe quoi votre conduite, monsieur, d'accord? Vous faites contrôler. Allez, vous me les foutez en tôle, ceux-là. Connard. C'est incroyable, ça. Tu me dis que tu serais venu sur nous? Ouais, bah c'est possible. Hein. Ouais, après, on avait vite tenté, on a... Ils connaissent pas ma gueule autant que ça. Hein. Il doit s'être arrêté quelque part, frère.
Ça fait bien longtemps qu'on l'a pas croisé. Allo? Wallo! Wagwan, tranquille mec? Ça va ou quoi le bon tranquillou? Ouais, hey, ça va. Ta gueule, toi. Dis-moi, j'ai besoin de tes services, Maiji. Ouais, dis-moi, mon pote. Faudrait qu'on se voit. Vas-y, une pause, on arrive. Vas-y, je termine un truc et je te dis. Vas-y, à tout de suite. Bien vu. Dans l'hôtel. Mais c'était des keufs là-dedans. Attends, Flocain, il m'appelle. Il appelle qui là? Faut que je ramène les papiers du véhicule. Lesquels? Bah, du Astron. Oh là 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 là. Oh bah ouais, mais moi je peux pas. Attends, je vais te les donner. Faut pour rien, frère. Ton papier du véhicule de merde. Tiens, tu vas leur donner. Dans la boîte à gants. Imagine, ils saisissent parce qu'il y a un mandat. Ouais, après, non, je pense. C'est possible, hein. Non, bah en vrai, je pense que c'est pas la même chose. Le Astron, il attend, non? Ouais, ah voilà, non. Non. Non, bah c'est bon alors. Bah Benef, il a ton nom. Je me fais péter, on perd 12 véhicules. Ouais. On perd. Mais pas, on change les cartes de grises de tous les véhicules. On trouve. Ouais, de toute façon, on va mettre des fausses plaques, hein. Okay. J'ai le bise. Tiens. Bah non. Oh. Le con, il fait bien froid. Il fait bien froid. Bonsoir. Évidemment, ma carte d'identité. Ma carte grise. Ouais. Allez, merci. C'est bon, messieurs dans l'Astron. On m'a demandé de vous mettre sur le côté, s'il vous plaît, monsieur. Procédez à un petit contrôle. On a du cul ou quoi, lui? Sort direct, c'est bande de losers. Bonsoir messieurs, du coup le conducteur s'il vous plaît qui coupe le contact et qui descend s'il vous plaît. Je sais pas quoi faire. De la Buffalo, on est actuellement à la recherche d'une Buffaloage, c'est pour ça on fait un contrôle juste de vérification. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est possible de vous mettre contre le mur? Enfin venez déjà sur le trottoir. Ouais. De me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre carte d'identité. Tu peux. Dis-moi s'il est dans le portefeuille. Dans la boîte à gants, mon portefeuille. Non. Non. Bah je l'ai pas sur moi. Hein. Ouais. Patron du Skitokaz là, ouais, ça me dit un truc quoi. Ok. Parce que on est actuellement à la recherche de cet individu et il y a des personnes qui nous ont dit qu'apparemment il était dans cette Buffalo. Ça me dit rien. Ok, parfait. Bah, je vais juste vous laisser vous mettre contre le mur actuellement et je vais aller faire une vérification. Allez-y. Messieurs, est-ce que vous pouvez juste descendre du véhicule et nous présenter vos papiers également? Nous sommes à la recherche de quelqu'un qui serait potentiellement dans cette Buffalo. Ah, je suis mort. Ouais, capitaine. J'ai pas les mains sur moi. Ouais, vas-y. Allez-y. Yes, ça marche. Pourquoi vous êtes masqué là? Non, s'il vous plaît. Non, c'est normal, il a une attestation médicale. Station médicale pour avoir un masque. Oui. Excusez-moi, monsieur, ouais, la chemise blanche, vous savez, ça existe. Bon, allez, venez, mettez-vous contre le mur parce que là, on s'y retrouve pas là, si vous voulez. Oui, venez. Monsieur. Je comprends rien ce qui se passe. C'est bon? Ok. Donc, juste un collègue arrive, monsieur, vous inquiétez pas. Ouais, pas de soucis. C'est bon. Ouais, on m'a dit que, apparemment. La dernière unité qui vient d'arriver, s'il vous plaît, mettez-vous en 4. Faut voir, 11. Oui, 44, ouais. Je viens d'arriver là. Ok. Du coup, c'est qui qu'on cherche exactement? Alors, j'ai son alias, mais pas son nom exact, bougez pas. Skittles. Oui, monsieur Berkeley, là, on m'a dit. Oui, c'est ça, monsieur Berkeley. Tout à fait. Attends, juste. Vous connaissez? Pardon? Vous le connaissez? Ça vous dit quelque chose? Bah, ouais, hein, j'ai acheté une voiture au Skitokaz, ouais. Putain, temps. Parce que là, il a brûlé. Il a brûlé, donc c'est compliqué d'y aller, effectivement.
Les agents, attention. Bougez pas, capitaine, bougez pas, attendez, venez, capitaine, venez voir. Il bougera pas. Messieurs, il bougera pas. Ce que vous allez faire, monsieur, vous allez monter dans le véhicule. Vous allez dire à vos agents de nous suivre, on va aller négocier à un autre endroit, ok? Capitaine, vous ne montez pas dans le coffre. Tu donnes des ordres à ton capitaine, toi. Si vous montez dans le coffre, monsieur. Vous m'entendez, capitaine? Oui, tu veux lui faire quoi? On va tirer tout simplement. Ah, d'accord, bah écoutez, si je lui mets une balle dans la bouche, là. Capitaine. Je crois qu'il est bouche bée, attendez. On va négocier, ok? Vous allez pouvoir partir. Je vais avoir un négociateur, là, s'il vous plaît. C'est vous? Très bien, je vais négocier, ça va être moi. Ok, ce qu'on va faire, il va monter dans le véhicule, vous allez nous suivre, on va aller négocier juste un peu plus loin. Ça marche? On va pas perturber le trafic, on va aller un peu plus loin. Vous inquiétez pas, vous pouvez mettre des véhicules à l'avant, à l'arrière, on va pas s'échapper, on est pas con. Ce que je vous propose, monsieur, c'est qu'il suit le véhicule, même si on doit prendre 10 minutes pour aller à l'endroit que vous voulez aller, on peut le faire, mais il vous suivra à pied. Je peux vous proposer ça, monsieur, si vous voulez. Il a pas compris lui encore. Capitaine, je crois qu'il va pas comprendre lui. Vous entendez, capitaine? Il va monter dans le véhicule, ça va durer 2 minutes, tu vas nous suivre. Vous êtes 5 patrouilles sur nous, arrête d'avoir chaud ma gueule. T'es pas en position de négocier là. T'as pas le choix. Si tu veux prendre le risque juste parce que t'as la flemme qui monte dans le coffre, y'a pas de problème. Eh ben il prendra une balle dans la tête. Moi je peux crier. Ok, bon, le capitaine, on l'a assis à l'arrière de l'Argento là, il faut qu'il reprenne ses esprits. Vous partirez pas avec, hein. Voilà, merci. Alors, c'est qui le négociateur? C'est vous? Ouais, ça va être moi le négociateur. Ouais. Ok. Alors. Hop. Nickel. Ok. Sachez qu'on est là pour un objectif très, très précis et qu'il va falloir... on va vous faire des demandes en échange du capitaine. Okay. Il repartira avec ses bras et ses jambes si vous êtes un bon négociateur. Par contre, si... Pas de problème. Si nous n'avons pas... vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander $1 milliard. Je suis pas un inconscient. Je vous propose quelque chose de sensé. Et derrière, vous récupérez votre capitaine en bonne et due forme. Ok, très bien. J'espère que vous êtes conscient que les négociations vont dans les deux sens. Bien sûr, pas de souci. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ok. Les négociations iront dans les deux sens, il n'y a aucun souci sur ça. Ok, parfait. Donc moi, ce que je vais vous proposer... Attendez. Je sais, vous en faites pas, il partira pas. Ça va aller, capitaine. Donc moi, ce que je vous propose, ok? Vous m'avez demandé qu'il monte avec vous dans la voiture pour aller un peu plus loin. Ce que je peux vous proposer, c'est que... Il vous suit, mais en dehors. Écoutez, c'est pas grave, on va négocier ici. Si ça perturbe pas le trafic, tant pis. Bah, moi, c'est pour les citoyens que je dis ça. Si on peut négocier ici, on négocie ici. On va négocier ici. Ok, je vais juste. J'arrive tout de suite. Parfait. Où ça? Alors, attendez. Non, on aurait dû aller négocier plus loin. Hein. Ça change rien. Ah, ça change que quand on va vouloir partir, frérot, regarde. Hein. Non, ils vont, t'inquiète pas, de toute façon ça changera rien. Ne faites pas, capitaine, hein, ça va aller. Ça marche, je vous fais confiance, vous inquiétez pas. Ah, c'est bon, vous êtes là, capitaine. Vous allez bien? Oui, ça va mieux. Ok. Écoutez, je sais qu'il y a quelques jours, vous avez fait l'obtention de quelque chose et ça se sait très rapidement dans le milieu, vous savez. Dans le milieu des bandits. Les infos fusent de la part de certains de vos agents, de la part de certaines personnes. Ce qui fait que nous avons appris que un incapable, quelqu'un de nul, hein, s'est fait voler du matériel. Et concrètement, ce matériel, nous allons le récupérer. Nous voulons le récupérer. D'accord? Ok. Donc voilà. Je veux savoir à quoi vous faites référence. De quoi s'agit-il? Dites-moi de quoi vous parlez. C'est pas un appareil électronique? C'est un appareil électronique et pas que. Voilà. Donc écoutez, okay. Moi, je pense que votre vie vaut bien plus qu'un simple outil, électromagnétique. Et je pense que vous seriez concrètement en position de négocier ça avec vos agents. J'étais avec Monique, contre votre vie. Vous comprenez? Oui, clairement. Par contre, l'autre chose, quand vous me dites et bien voilà, plus, moi j'ai pas mis mon nez dedans, ok? Donc je sais
Il y a une chose, je pense vraiment de savoir quoi c'est, le reste je sais pas. Ok. Eh bien, je vais négocier avec votre agent le strict minimum, d'accord ? Ok. J'espère qu'il va avoir de l'imagination pour trouver une solution à ça. Et on verra la suite. Ok ? Ok, très bien. Nickel. Messieurs, le temps avance entre vous. Négociation, s'il vous plaît, messieurs. Alors, sois pas bête, tire pas. Tu veux perdre la vie de ton capitaine ou quoi? On n'est pas menaçant. Lâcher mon arme, ça m'aidera à me concentrer. Ta gueule. Ok, très bien. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Seydou, monsieur. Officier 99. Quand on joue contre vous, ça officier 99. Ok. C'est ça. Monsieur Seydou. Alors, écoutez, c'est simple. Si le capitaine est là, c'est pour une raison précise. On a appris que les gens dans le business ne savaient pas agir. Donc nous, on doit s'occuper des choses, hein, vous comprenez. Récemment, vous avez fait l'acquisition de plusieurs pistolets vintage, de plusieurs boîtes de munitions, etc., etc., et d'une tablette. D'accord, le capitaine vient de me le confirmer. Nous voulons récupérer ça, tout simplement. En échange une tablette, vous dites. Une tablette. Il y avait deux pistolets vintage et des boîtes de munitions. Ok. On est à la recherche de ça. D'accord. En échange de ça, on vous livrera le capitaine. Et après, je vous écouterai. Hein, je vous écouterai si vous avez quelque chose d'autre à me proposer par la suite, une fois que le capitaine sera libéré, concernant la suite, on peut voir. Après, vous savez que là, le problème, monsieur, c'est que actuellement, vous avez du coup uniquement le capitaine. On est d'accord avec ça? Ouais. Là, vous voulez négocier du coup une tablette avec deux pistolets vintage et des boîtes de munitions, plus négocier votre fuite. C'est bien ça, si je comprends bien. Après, ma fuite, moi, je souhaite pas la négocier. Hein. S'il faut, on va forcer le barrage et on va juste rouler. Hein. Mais c'est justement, ça, c'est votre partie. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à me proposer en échange de quelque chose, on verra. Suite au premier échange. Si vous avez autre chose à me proposer. Comme vous avez dit, les négociations, ça va dans les deux sens. Donc moi, je vais récupérer une première chose en échange du capitaine. Et si vous avez une autre offre à me faire, ben je vous écoute. Voilà. Bah, en fait, monsieur, il y aura pas d'offre. Parce que, regarde, je vais vous expliquer comment ça va se faire. On va peut-être pouvoir négocier, du coup, pour votre tablette, les pistolets vintage, etc. Peut-être. Il va falloir que je me renseigne auprès de l'état-major. Par contre, après, vous n'aurez aucun moyen de fuir. Et là, monsieur, actuellement, vous êtes encerclé. Eh bien, dans ce cas-là, monsieur. Dans ce cas-là, déjà, intéressez-vous à l'avis de vos supérieurs. Oui, bien sûr. Et bien en fonction sûr, de ça, en fonction de ça, on verra. Parce que là, ce que je vous fais comprendre, monsieur, c'est que vous pouvez pas avoir tout ce que vous demandez. Ça va pas être possible. Je pense que vous devez le connaître dans la négociation, vaut mieux demander trop pour que vous baissiez et que ce que vous baissez, ce sera déjà plus haut que ce que je voulais de base. Donc. Ok. C'est ma stratégie. Donc je vous laisse demander l'avis de votre état-major et tenez-moi au courant. Très bien. Donnez-moi deux minutes. Le cowboy alors que on vous entre nos mains. Non. Moi je leur dis. De quoi? Allez-y. Moi ici je me bats. Ok. Allô. Ouais allô. Ouais, besoin de vous là, place des cubes. Là tout de suite. Tout de suite, ouais. Urgemment. Mais attends, mais mon pote, Ouais, mais c'était imprévu, c'est un imprévu. Il s'est pas passé ce qui devait se passer, tant pis. J'ai juste besoin d'une voiture avec une place. Juste qu'il me récupère moi. Juste qu'il me récupère moi, les autres ils se démerdent. Ok, bah vas-y, j'arrive. Voilà, donc reste à distance et je vais donner le feu vert quand on va partir et voilà. Vintage, mais oui. Bah. On va partir. Ah, tu veux pas que je te récupère sur place? Tu veux que je récupère plus loin? Non, tu vas me récupérer sur place, mais là le problème c'est qu'on est entouré. De flics? Ouais. Ok, bah vas-y, va temporise un petit peu là, le temps que je prépare mon véhicule. Je temporise, prépare tout ce qu'il faut, plein d'essence, machin, bidule. Et tu viendras me récupérer à la fin des négociations. C'est bon? Vas-y à tout. Je te fais confiance, Renaud, parce que là si on se fait arrêter sur ça, sache que même toi, je pense que tu vas prendre très 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 cher. Ouais, pas de bronquipo, vas-y mon pote. Vas-y à toutes. Ouais. Alors attendez, je suis là, dites-moi. Du coup, j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai une bonne nouvelle. Vous préférez laquelle? Commencez par la mauvaise.
La mauvaise, c'est que la tablette a été détruite. Apparemment. L'état-major m'a dit qu'elle a été détruite, la tablette. D'accord. Oui, bien sûr. Et par contre, les pistolets vintage n'ont pas encore été détruits. Vous détruisez pas les armes, mais vous détruisez une tablette sans valeur, un iPad. Bah, monsieur, je vous dis juste écoutez, ce que mon état-major c'est vient comment de vous me m'avez dire. Dit, c'est Seydou ? Seydou, c'est ça, monsieur. Vous ne mourrez pas à ce petit jeu-là, je vous le dis. Si elle est détruite, vous allez recoller chacun des morceaux de cette tablette pour nous la rendre, sinon je vais faire exploser la cervelle de votre capitaine. Qu'on soit clair. Oula, l'offre, là, elle va changer. L'offre, elle va changer à partir de maintenant. Les vintage, j'en ai rien à foutre. Les boîtes de munitions, j'en ai rien à foutre. Ramenez-moi cette putain de tablette sur place, sinon j'explose le crâne de votre capitaine à coup de 12. J'espère m'être fait bien comprendre. Et arrêtez de nous prendre pour des cons, hein, parce qu'on va tirer, hein, je te le dis. Bah, on a pas écoutez, peur, hein. Monsieur, je suis un officier 2, ok. Je vais essayer de voir. Gérez ça avec votre état-major et faites-leur prendre conscience de la situation, s'il vous plaît. Ok, très bien. Merci. Laissez-moi 5 minutes. On vous attend. C'est que moi, à aucun moment, je suis là pour vous dire que vous avez tort, vous avez raison, quoi. Moi, je vous dis juste que, à un moment donné, il me faut des preuves. C'est la base même de mon travail et du coup, je ne peux fonctionner qu'avec ça. Oui, excusez-moi. Il s'est passé quoi depuis que vous avez cet outil, là, cette tablette? Comment ça, il s'est passé quoi? Ben, elle est au poste tranquillement. Elle dort? Oui, elle est chaud, elle est au chaud, oui. Ok. Ils essayent de te la mettre, mais c'est Riz qui lance l'initiative. Ah là 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 là. Say. Doudou. Say Doudou. Il négocie avec l'état-major. Say Douma. Il arrive. Say Padou. C'est lui qui n'a pas besoin de négocier qu'on est au courant. Ça sert à rien de négocier, on est au courant, c'est doux que c'est pas vrai. Ça c'est bête. C'est con. C'est très con. Oui, vous m'avez appelé. Votre capitaine vient de nous confirmer que c'est faux. Enfin, il nous a pas confirmé. Bah, on lui a dit où est la tablette, il l'a dit au poste, quoi, tout simplement. Bah, est-ce qu'il peut, peut-être nous aider, capitaine? Vous m'entendez, capitaine? Oui, je vous entends. Demandez à 09, c'est lui 09. Qui est au courant. Ok, très bien, je contacte 09 du coup. C'est la dernière fois que tu nous prends pour un con. Ça démarre mal les négociations. Okay. T'as compris? Et qu'est-ce qu'il dit lui? Ça démarre mal les négociations. S'il vous plaît, je veux parler avec une seule personne, s'il vous plaît. On va pas rendre confus, d'accord? Vas-y, frère. Tranquille. Oui. Je suis énervé là. Oui. Non, vous n'énervez pas, monsieur, c'est pas la peine. J'ai fou lui. Casse-toi toi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que s'il y a un trafic d'armes, je veux bien vous. Je vais peut-être vous asseoir, monsieur capitaine. Je vais rester debout, je vous remercie. Ouais. Elle sort, monsieur le capitaine, une petite faim. On veut prendre soin de vous, y'a pas de problème. Hein. Oui, ben ça va. Une petite faim? Non, c'est gentil, merci. Une petite soif? Une cigarette? Ah, vous en avez une sur l'oreille. Messieurs! Messieurs! Ouais! Négociateur, s'il vous plaît. Je suis là. Très bien. Du coup, bonne nouvelle. Ouais. Du coup, on a retrouvé où était la tablette, du coup. Parfait. Voilà. Et aussi, une autre demande, pour pas gêner la circulation, est-ce que c'est possible d'aller sur le parking central? Nous? Oui, nous tous, tranquillement. Non, je vois pas en quoi gêne la circulation. Hein. Je vous ai proposé au début de bouger pour pas gêner la circulation, vous m'avez dit non. Maintenant, oui, ça vous pose un problème, moi je... Vous l'allez. Ah bah ouais. C'est une supposition, c'est comme ça. C'est... Ah non, malheureusement, ce sera là. Ouais, on va rester là. Ok, très bien. Ça sera bien. Parfait. Ça risque pas d'être très long. Hein. Si vous me ramenez ce que je vous demande, ben je vous lâcherai du coup votre capitaine en échange de cette tablette et du fait que vous ne nous tirez pas dessus lorsqu'on monte dans nos véhicules. Et la suite n'appartient qu'au destin, comme on dit. Hein. Ok. Voilà, nickel. Bah j'attends de vos nouvelles. Je vous attends avec le matériel. Ensuite, on vous demandera d'ouvrir un des deux côtés de la route et force à nous. Voilà. Mais le problème là, monsieur, c'est que vous en demandez un peu beaucoup, je pense. Ah, j'ai pas l'impression. Une tablette. Je vous demande juste de ne pas commettre un crime sur des gens qui n'ont tiré aucune balle et à part opposer une résistance évidente.
Ah ben ça va alors. Un crime, c'est-à-dire, monsieur? Ben, nous tuer. C'est d'où? Ils ont des fusils à pompe. C'est des gentils au fond. Bah oui, c'est rien, c'est des victimes. T'as un fusil à pompe et toi, il sert à tirer sur des criminels en ne respectant pas la loi, t'es comme nous, hein. Arrête de faire gentil ici, toi, avec ton insigne de con. Non, non, on est pas comme vous. Tu tires pas sur des criminels, tu sais très bien ce que tu fais, toi. Mais c'est ce que tu viens de dire. Moi, je suis un criminel et je l'assume. Toi, t'es un criminel qui ne l'assume pas. On se connaît? Qui êtes-vous? Oh, on se connaît bien, t'inquiète pas, on va se revoir. On se reverra, t'inquiète pas, dans un meilleur contexte. Mais du coup, là, monsieur, il faut comprendre un truc. C'est que là, vous demandez la tablette, etc., contre le capitaine. Et vous demandez aussi votre fuite. C'est ça que je voulais faire comprendre tout à l'heure. Mettez autant d'unités que vous voulez, monsieur. Mettez des hélicoptères, des avions de chasse, ce que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on n'a pas... Là, actuellement, on n'a pas un rookie en otage, on n'a pas n'importe qui. Ce qui se passe, c'est qu'on a votre capitaine. Si on tue la tête du serpent, je pense qu'on va créer un certain déséquilibre dans le SASP. Ça avantagerait beaucoup de monde. Vous savez, tous les bandits de cette ville... Vous voulez pas ça, monsieur. Tous les bandits de cette ville... Toute la pègre américaine attend qu'une chose, c'est que je mette une balle dans le crâne de ce chinois et que le SASP soit déstabilisé. Sachez-le, hein, si je tue le capitaine ce soir, je fais gagner des millions de dollars à la pègre américaine juste en mourant moi-même, en me suicidant vous, pour vous les autres. Vous gagnez quoi? Vous allez rien gagner. Je ne gagne rien. Moi, je ne suis qu'un sbire. Mon boss gagnerait de l'argent. Moi, je ne suis qu'un sbire d'une société où malheureusement, j'aimerais être le boss. Maintenant, comme je vous dis... On ne va pas le faire si vous répondez à ce que je vous dis. Oui, nous sommes lourdement armés. Oui, nous sommes dangereux, comme vous pouvez le voir. Cet otage, on va le lâcher en échange de ce que je vous demande. Jusqu'à preuve du contraire, je vous demande juste un outil électronique. Hein. Je vous demande pas non plus de quoi tuer des gens et de quoi faire du sale. Mais si vous êtes capable de faire tout ça pour justement cette tablette, c'est que cette tablette représente beaucoup. On est d'accord. Effectivement, elle a de l'importance, elle vaut de l'argent. Maintenant, hormis ça... Le capitaine, je pense qu'il vaut beaucoup plus que ça. Et restons modestes. Donnez-moi cette tablette, monsieur. Il va nous falloir plus pour votre suite. Ok. Écoutez, réfléchissez de votre côté, je réfléchis du mien. Pendant ce temps-là, ramenez-moi le matos que je demande et on voit. Ok. Très bien, je fais le nécessaire. Attends, Skit. Ouais. Ils font un peu de notre gueule là, quand même, non? Attends, viens. Ma gueule, toi, ouverture. Tu veux je tombe ou pas? Je veux savoir, c'est une question. Parle tout doucement. Est-ce que tu veux que j'aille doucement? Tu parles doucement devant le capitaine, quoi, quand même. Il était à un mètre de nous. Mais j'ai juste dit, il se fout de notre gueule un peu. Non, t'as juste dit skit. Ah ouais? Eh ben ouais. Ah mais bah les couilles. Ok. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Bah, j'ai trop de couilles, nickel. Bah parce que tu t'es venu genre il y a 30 secondes pour le truc du reste. Bah oui, mais il savait pas que c'était moi. Bah j'ai un peu dit où est-ce qu'il te lisait live, quoi. Ah mais t'es con, frère, aussi toi. Ouais mais je savais pas que t'étais recherché, c'est pas marqué. Ouais, j'aurais dû te prévenir, c'est pas grave. Ça coûte filtre. Bon après non mais ça veut rien dire, hein, c'est pas une preuve, c'est... Il y a potentiellement skit selon eux, mais là bref. Okay, bref, t'as appelé des trucs ou pas? Juste, ils se foutent vachement de notre gueule là quand même. Une ouverture de barrage et juste nous donner la tablette, ça vaut moins que le capitaine. Non, apparemment ouais. Ouais t'inquiète, ouais. Je vais négocier. Juste, regardez les gars, venez voir là s'il vous plaît. Ce qui va se passer, c'est que vous, là, vous... Tu vas me donner le pompe. Vous allez faire vos poursuites. Une en Buffalo H, une en Argento. Moi, il y a des mecs qui vont venir me chercher, là, juste pour me sauver, moi. Que je sois vraiment sûr d'être bien. Et voilà. C'est bon? Maintenant, je vous le dis, à tout moment, il va falloir sacrifier l'un d'entre nous pour partir. Faut qu'on me donne le tech aussi. Ouais, mais après le tech, c'est pas grave. C'est pas grave, le tech en vrai, c'est pas grave. Au moins, on leur laisse une possibilité d'avoir quelque chose. Qui était autour de vous? Faut appeler des gens. Mais ça sert à rien d'appeler des gens, les gars, on va pas faire une alliance. On agit tout seul les gars, on est 6. On n'en met pas lui. Laisse faire. En mode après c'est force à nous. Hein. Oh. Ah ouais. Quelqu'un va se... Ouais mon pote. Ouais allô. Ouais. T'es en route? On a préparé une deuxième bagnole là au cas où. Ok. Bah en vrai moi si tu peux me mettre une deuxième bagnole ça me met bien parce que dans ma voiture y a d'autres mecs. Après, les autres, c'est une Argento, donc ils vont se démerder. Vous êtes combien? C'est important que tu nous le dises, mon pote. Nous, dans ma voiture, on est combien? On est 4.
Vous êtes 4. Ok, une voiture VIP, c'est vraiment moi qu'il faut absolument qu'on soit soit pété. L'autre voiture, s'ils se font péter, c'est chiant, mais c'est pas grave. Et l'argento, s'il se fait péter, c'est chiant, mais c'est pas grave. Vous êtes 4. Bah vas-y, bah y'en a un qui va monter avec mon pote, le chauve. Hmm. Et moi, je prends les 3 autres. Ok, mais le chauve là, c'est. T'es sûr? Ah bah oui, je suis sûr. T'es sûr qu'il va assurer? Bah bien sûr que je suis sûr. Parce que là, si je me fais péter avec lui, lui et moi, c'est. Je te le dis, c'est perpète, hein. Non, non, tu vas grimper avec moi, toi. Ah ok, je grimpe avec toi, donc avec les deux autres. Ouais, on t'a 3 avec moi. Allez, vas-y, parfait. Je te bip juste après. J'arrive. Donc il y a des chopes qui viennent? Ouais, exactement. Donc AD et Cam, ils viendront avec moi. Et LD là, tu iras avec l'autre, il sera tout seul. LD, tu iras avec l'autre là. Un chauve, il m'a dit. Tu montes avec le chauve, ouais. Et ouais. Moi, ouais, le A et le K, on va ensemble. Un chauve, ok. Négociateur, man. Ok, parfait, parfait. Du coup, bah, j'ai encore une bonne nouvelle et une mauvaise. Vous préférez laquelle? Une mauvaise, toujours. La mauvaise, c'est que ça va prendre plus de temps que prévu. Ouais, mais c'est pas grave, hein. Il y en a pour à peu près entre 20 et 25 minutes. Yo, c'est long de ouf, ça, par contre. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir avoir la tablette, du coup. Ok. Sauf que là, on a rencontré un petit problème, c'est que pour faire sortir une preuve de chez nous, il faut que ça soit le juge directement qui fasse sortir la preuve. Et là, le problème, c'est que là, il est en jugement. Donc, on doit attendre le jugement, ensuite qu'il fasse sa propre place. Il m'a dit entre 20 et 25 minutes. Il n'y a qu'un seul juge. Maniez-le là, j'ai pas envie d'y passer la nuit, hein. Suprême. Hein. Ah, voilà. Ok. Exactement, monsieur. Eh ben, ouais. Bah, comme vous avez dit votre capitaine, hein, plus vite ce sera fait, mieux c'est, hein. On peut plus être patient. Est-ce qu'on peut se mettre sur le parking central? Non plus. Non. Toujours pas. Vous pouvez y aller avec le capitaine et tout, juste c'est plus pratique. Ben, c'est la première chose que je vous ai demandé, c'est qu'on aille ailleurs pour ne pas gêner la circulation. Moi, il dit non, ouais, du coup, maintenant on pensait pas que ça allait durer autant de temps. Maintenant qu'on sait que ça dure du temps, on. Non, mais on ne bougera pas, messieurs. On ne bougera pas. Juste, si vous arrivez à faire en sorte que le juge suprême puisse mettre en pause quelques temps, pour quelques secondes, c'est pas très long, n'est-ce pas? Il a juste à donner son accord. Oui, les papiers, et après ça sort. Bon bah. Et surtout, il doit finir surtout son jugement. Bah, essayez de voir. Pas mettre un terme. Essayez de voir, juste de lui dire que c'est important que c'est le capitaine qui mette un petit temps d'arrêt au tribunal, et voilà. Nous on attend, de toute façon on est là, on va pas bouger. Mais ne vous moquez pas trop de nous. En faisant non, des choses dans notre dos, messieurs. Et voilà. Non, on fait juste le nécessaire. Vas-y, bah, en vous attend. Vous allez avoir ce que vous vous demandez. Ça marche. Des papiers, des papiers, toujours des papiers avec ces cops là. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Tu m'entends pas. Clop. Je monte avec vous, moi, du coup? Non, vous allez prendre la Buffalo H, toi et LD. Allô? Ouais, ça va bientôt décoller là, donc essaye d'avoir le visu sur nous. Mais toi, j'ai vu le visu, mais tu veux que je sois où? Côté place des cubes ou côté pillbox en haut? Exactement là où il y a la position. En gros, toi, tu te mets derrière le LTD Run. Enfin, juste à côté du LTD Run. T'as vu? Ouais. En direction du parking rouge. Tu roules. Nous, on va être. Tu vas voir, là, on va se déplacer. On va être de ce côté-là, au carrefour. De toute façon, ils sont au courant qu'il y a des bagnoles qui vont vous récupérer. Il n'y a pas non, de temps qui bouge. Non, ils sont pas au courant. Mais t'inquiète, c'est pas grave, ça changera rien. J'espère, ils vont pas nous tirer dessus. Non, ils vont pas nous tirer dessus. Je sais pas quand j'ai négocié ça avant. Donc. Tu vas venir, donc tu viens du LTD Run et tu vas vers le parking rouge. Tu t'arrêtes au carrefour, moi et mon gars on monte. Et après tout le monde. Ouais, j'ai capté. Je viens du LTD Run, je vais vers le parking rouge, donc je vais être dans le carrefour. Ouais. Donc je vais être à ta gauche en fait, à gauche là, à ta gauche de ta négociation. Ouais, à droite parce que je serai dos à Inglewood, t'as capté? Mais viens pas de pillbox, hein. Viens du LTD Run. Ouais, j'ai compris. Tu viens du LTD Run et tu roules vers le parking rouge. Et en gros, comme si je venais de Mission Rouge, j'allais au parking rouge. Voilà, exactement. Voilà, et je te récupère dans le carrefour, au plein milieu du carrefour. Voilà, exactement. C'est quoi ta caisse? Vas-y. Ça va. Buffalo, H noir et Kuruma rouge. Et nous, on monte dans laquelle? Les deux. Il y en a un, il en faut un dans chaque voiture. Ah, un dans chaque voiture? Ouais. Ok. Bah, tu m'as dit que. Tu pouvais monter 1-1, ouais. C'était sûr et certain. Ouais, mais j'ai cru que tu voulais remplir les voitures, mais j'ai compris. C'est pas grave. Ok, bah on fait ça. Bah, je vais dire mon gars. Comme donc, ça, t'es bug. Il roule. C'est qui la voiture la plus légitime de s'en sortir là?
Parce que moi il me faut la meilleure. Hein. Je te le dis là, c'est pas là si on se fait péter moi et le gars, c'est fini pour vous et pour moi. Hein. Bah viens avec moi et l'autre il va avec la voiture rouge. Toi, t'es quoi, t'es la Buffalo? Oui. Ok, l'autre il monte dans la Kuruma. Ok, ça marche. Et ben vas-y, nickel. Vas-y à toutes. Vas-y. Tu nous dis dans combien de... Regarde le temps qu'ils prennent depuis qu'on l'a ça. On en est où? Ouais, quand je t'envoie go, entre ça veut dire que tu peux venir. Par message? Ouais, je t'envoie go par SMS. D'accord. Vas-y, à tout, et tu supprimes après. Ouais, je supprimerai, vas-y. De toute façon, je parle uniquement avec leur. Attends, viens avec ton bonnet. Là, ils vont arriver, quand je vais leur dire go, ils vont arriver juste derrière nos négociations. Toi, tu montes dans la Kuruma rouge. Et moi, je monte dans la Buffalo H. Toi, Cam, avec LD, vous prenez la Buffalo H, vous faites votre poursuite. On est mort, hein, je te le dis, on est nul, on est clairement en poursuite. C'est problématique, frérot. Bah, demande à Cash ou demande à Zonzon. L'un des deux, non, mais au pire, il y en a un qui monte dans le coffre de l'Argento. Et vous montez à 5 dans l'Argento. Ouais, sinon, montez à 5 dans l'Argento, on abandonne la hache. Hein. Attendez, j'ai le matos. Et j'ai pas le Glock. Tiens. Je t'ai filé Naruto, hein. C'est pas le con. Ah, t'inquiète. Alors, messieurs, tenez, je vous mets ça ici. Ok. Dans un sac de sport, c'est au sol. Hop, hop. Voilà. Très bien. J'y vais, hein. Il y a deux qui me courent. Vas-y, t'inquiète. Ah ouais, ouais. Il m'en faut plus. Parce que... Ne jouez pas avec ça, je vous le dis. Ouais, ouais, attention à ce que vous faites. Messieurs, si vous barrez la route. Oui, la zone d'arrêt. La zone d'arrêt, vous la mettez. Les collègues, s'il vous plaît, un arc de cercle. Vous savez faire un arc de cercle. Vas-y les gars, mettez-vous ici là, l'Argento, venez là. Voilà, nickel, voilà, parfait. Attends, je crois que t'es dans cette voiture. Bah, le conducteur descend. Tu vas aller check la tablette, ok? Donc tu regardes. C'est simple, quand t'allumes la tablette, c'est simple, t'as juste tout, en fait. Il y a écrit les armes, leur prix. T'appuies dessus, tu vois si tu peux acheter. Il y a écrit que tu peux acheter en espèces et tout. Tu regardes bien, tu ouvres l'arrière, tu regardes s'il n'y a pas une puce, un truc explosif, un truc pour localiser, etc. Ok ? Vas-y. Vas-y, parfait. Alors, mon homme va venir avec vous là, du coup, avec votre votre informaticien. Ouais. On va vous demander d'ouvrir la tablette à l'arrière, de regarder la carte mère, etc. Et voilà. Et pas de conneries, évidemment, hein, messieurs les agents. Non, mais parce que si ils échangent le capitaine en même temps, ils vont pas faire une dinguerie quand l'autre il va ramener la tablette. Ben écoute, s'ils nous tirent dessus, ils auront pas tenu leur négociation, hein. Que veux-tu ? Je vais la récupérer moi avant. Ouais. Ok. Du coup, mon 11, tu veux plus que je sois en 4-5 du coup? Attention les collègues, il y a la Buffalo H noire et la Kuruma rouge qui arrive derrière vous. Ah, c'est good. C'est good, vas-y, bah. Qu'est-ce que je vois pour le moment ? Bah, ouais. Et ben, du coup, tu l'as là ? Ouais. Tu vas revenir avec et on va vous donner le capitaine en même temps.
Non, attends, doucement. Doucement, pas trop vite, en besogne, toi. Attendez, okay, c'est qui ça? Ok, bougez pas. Tout se passe bien, messieurs. Allez-y, le capitaine. Tout se passe bien. Non. Bouge pas. Attends. Reste de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? C'est du plan ça. Il est où le capitaine? Allez-y, capitaine, avancez. Allez-y, vous êtes libre. C'est quoi ça? Non, allez-y. Vous bougez pas. Vous avez votre capitaine, tout se passe bien. Salut mon pote. Yo, ça va? Ça va et toi? Ouais. Je t'avais pas dit go, mais vous avez eu un bon timing. Je te fais confiance, mon gars. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça, mon pote. Moi aussi. Mais là, ça tient encore plus à un fil, mec. Bon, ça va, t'as qu'une caisse. J'ai même que ça tient à un fil. Ça tient à un skit. On est à un skittles de finir en prison à perpète, mec. Oh, tu lui as mis une tempête. Là, il te voit plus déjà. Ok, mais en fait, je vous ai sous-estimé, vous. De fou. Une distance de fou avec lui, non? Il est là? Ouais, encore, ouais. T'as rattrapé sur la descente dans l'herbe, mais... Je sais même pas si t'as vu. Ouais, je pense là c'est fini, je pense. C'est carré. Y'a plus personne. Ah si, au loin. Si, il est là. Ah ouais, d'accord, mais en fait eux ils sont trop forts en fait. J'avais pas capté. Ouais, ils ont été fair play les flics, mais bon. On va leur rendre en bien, je pense que... Il est plus là, là non, pour le moment il est plus là. Voilà, y'a plus personne, c'est fini. Ah si, au loin, mais je pense même pas il t'a vu. Aïe. Là par contre je pense qu'il t'a vu l'autre. Ouais c'est bon, il t'a rattrapé. Merde, j'ai pas donné le post-it, non, je voulais faire exprès de le faire tomber. Non. Oh le con. Merde, attends, comment je peux faire? Attends, s'il repasse au même endroit, je le tège. Merde. Attends. Je vais le mettre dans l'inventaire du capitaine. Je vais lui dire que à un moment j'ai fait tomber ça et qu'il l'a ramassé sans que je voie. Il est plus là. Non. J'ai pas un hélico. Qu'est-ce qu'il y a pas un hélico? Il y avait un hélico tout à l'heure, là, derrière, je vois rien, mec. Hein. Sauf s'il je est vraiment pilote. Je comprends pas comment il me retrouve avec les trajectoires, là, alors que je te jure que je coupe les trajectoires. En vrai, ouais, je sais pas. Hein. Y a de la Tiens, change-toi, commence à te changer, là, je vais te larguer à un endroit tranquille. Ouais. Je vais aller aider mon pote. Attends, je me change, yo. Hop, choc. J'ai changé? Ouais, c'est bon. Ok. Je vais te lâcher dans un endroit où moi je suis sûr et certain qu'il n'y a pas d'hélicoptère au-dessus de moi. Ouais. Bon, lâche-moi bientôt là, à droite ou quoi. Comme je vais ça, te lâcher maintenant là. Allez, fonce. Ouais, nickel. Big up, mec. Salut, mon pote. On s'arrête, s'il vous plaît. Yo, qu'est-ce qu'il y a, les gars? En l'air. Tout va bien?
monsieur. Monsieur, votre téléphone. Monsieur, j'ai rien fait là, je suis là. Je suis là, pas de soucis. Je ne bouge pas. Lâchez votre téléphone, monsieur. Monsieur, lâchez votre téléphone. Parfait, merci. Je bouge pas, tout se passe bien, monsieur. Nickel, retournez-vous, s'il vous plaît. Je me retourne. Retournez-vous. Exactement. Hier, on a pris en otage le capitaine pour récupérer une tablette qui nous appartient. Ça, okay. Ils ne savent pas. Enfin, si, en vrai, ils l'ont trouvée dans une de mes propriétés. Une tablette qui a une liaison, enfin une tablette qui est cryptée en fait et qui permet de commander des armes sur le Darknet de façon sécurisée. Ok, cette tablette, vous en avez fait usage par le passé ou pas? Ouais. Ok. Moi, je vous mens pas. Ça risque d'être très compliqué. Hein. C'est pas que je doute de vous, mais. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas été en cellule. Ça fait très longtemps que j'ai pas été attrapé par les flics. Je suis. Moi, en fait, j'ai grandi au quartier des Hoover et tout. À la base, j'étais un petit quartier. Et petit à petit, ben, j'ai pris du galon. J'ai commencé à faire de l'argent. Et maintenant, ben, vous voyez, je pense que rien qu'à mon habillement, vous voyez que. Maintenant, j'ai quand même de l'argent. Et je dans le business, je suis quelqu'un quand même qui pèse. Du coup. J'ai fait tout discrètement de A à Z. Tout mon empire, je l'ai construit, pyramide, brique par brique, de façon très discrète. Et là, il y a entre guillemets tout qui s'effondre. Ils ont découvert la plupart des choses. Malheureusement, je sais pas les preuves qu'ils ont. Mais je vois pas comment m'en sortir là. Alors, à l'heure actuelle, pour vous résumer les chefs d'accusation qui vous sont reprochés, il y a l'assassinat... trafic d'armes, possession d'armes illégales légères, possession d'armes lourdes x2, prise d'otage sur agent de l'État et association de malfaiteurs. Ok. Déjà, est-ce que, éventuellement, à l'issue de notre entretien, vous m'autorisez à transmettre certaines informations à Cam? Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Parce qu'il est venu me voir concernant votre affaire juste avant que j'arrive au poste pour m'expliquer les faits. J'ai commencé du coup à étudier un peu le rapport d'enquête à votre rencontre. Ok. Donc du coup, concernant le trafic d'armes, malheureusement, vous me dites que vous êtes déjà servi de la tablette. L'idée, c'est ce que vous allez reconnaître ou non face aux agents de police. Sachant que c'est un interrogatoire, vous avez le droit de faire appel au droit à garder le silence, le 5e amendement. Parce que tout ce que vous direz qui pourra vous auto-incriminer et peser contre vous au tribunal, le but du jeu, c'est de ne pas le dire à l'interrogatoire pour qu'on puisse justement travailler ça et voir sur quoi on peut, rebondir. Quoi. Ok. Donc du coup, l'association de malfaiteurs, vous faites partie d'un groupe? Ben, pas vraiment. Le mien. D'accord. Moi-même. Le mien, le vôtre. D'accord, oui, d'accord. Vous ne vous considérez pas comme revendiquant un groupuscule ou quoi que ce soit? Non, je suis moi-même. Okay. Moi, j'ai des hommes de main, c'est tout. Très bien. Si je vous parle de BMF, est-ce que ça vous parle ou pas? Oui, c'est la chaîne que certains de mes hommes portaient autour de leur cou, mais... En vérité, ça voulait rien dire. Hein. C'était juste une chaîne qui mettait. Ok, mais... d'accord. Là, vous me dites vos hommes. Du coup, ce sont quoi? C'est une entreprise? C'est quand vous dites... C'est comme une mafia. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, donc oui. Alors en soi, vous ne revendiquez pas appartenant à un groupe, mais par contre, oui, vous revendiquez d'être... Je suis le chef de quelque chose d'organisé, effectivement, maintenant. Okay. On n'a jamais mis de nom, on n'a jamais mis de quoi que ce soit, quoi. Ouais, je vois. Ok. Par rapport à cela, donc du coup, l'association de malfaiteurs, ça va être compliqué de... Ouais, là, du coup, tout ce qu'on avait vu avec Cam, ça tombe un peu à l'eau. Ouais, j'ai quoi, cette gueule. Du coup, en fait, vous ne niez pas tout ce qui s'est passé hier soir et tous les chefs d'accusation, y compris l'assassinat, parce qu'apparemment, il y a également un assassinat qui vous est reproché. Est-ce que vous savez de quel assassinat il s'agit? Non, qui? Je ne sais pas, je vous pose la question justement, puisque moi j'ai l'assassinat, mais je n'ai pas l'explication. Aucune idée. Franchement, des gens, j'en ai tué, hein. Pas vous mentir. Ok, alors, on va essayer de voir ça par rapport à une saisie que vous avez eue chez vous. Apparemment, des armes ont été retrouvées, et ces armes sont les auteurs de meurtres. Ah, c'est possible, ouais. Je pense pas que ce soit... C'était des pistolets vintage et je pense que, comme vous l'imaginez, moi je me balade pas avec ça.
Donc c'est des armes qui ont fait des meurtres. Après, des meurtres prémédités par moi, oui. Par contre, faits par moi, non. Ok, du coup, vous êtes complice indirectement des meurtres, même si vous ne les avez pas réalisés, c'est vous qui les avez demandés, quoi. C'est ça. Ok. Ok, ok. Donc du coup, on est sur combien de meurtres là, dans l'affaire ? Excusez-moi, je regarde en même temps le rapport d'enquête et tout. Hein. Attends, il me dit qu'il n'y a pas de médecin. Putain, évidemment, il y en a 50, je prends celle-là. Est-ce que le nom de BHB vous parle ? Bonsoir, désolé de vous déranger. Oui, dites-moi. Je sais que vous êtes en train de parler bien sûr, bien au sûr. Prochain interrogatoire qu'il va y avoir. Je vous tiens informé qu'il n'y aura pas d'interrogatoire. Ah, ok. C'est encore en train de peaufiner. Il y a Riz qui va arriver pour rectifier les choses, d'accord. D'accord. Là, je vous tiens informé de ce qui se passe actuellement okay, de mon côté. Je peux continuer tout de même de m'entretenir avec bien mon sûr, client bien sûr, si bien jamais. Bien sûr. Ok. Du coup, je vais aller où ? Tu verras site. Tu verras. Alors après, je sais que il y a eu des vices de procédure pour l'ensemble des personnes arrêtées. Peut-être que vous faites partie également de ce vice, je ne sais pas. C'était quoi ? Ah, j'ignore, on nous a dit juste un problème interne au niveau de la police. Ah. Du coup, on ne nous a pas communiqué l'information exacte, mais je pense que c'est un problème de procédure dans les détails de l'arrestation. Peut-être des droits qui n'ont pas été lus comme il faut. Peut-être, après, je vous avoue que même s'il y a un vice de procédure sur ce qui s'est passé hier lors de ma fouille ou quoi que ce soit, vu tout ce qui m'est reproché... Il y a un mandat d'arrêt contre moi, donc peut-être que les charges d'hier soir vont être annulées étant donné le vice de procédure. Mais tout le reste, ça risque pas d'être annulé, à mon avis. Alors, après, ce qu'il faut se dire, il y a des choses assez importantes, c'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple d'un client que j'ai eu récemment, qui s'est fait arrêter suite à une fouille abusive, un contrôle abusif, sans motif légitime. Des armes ont été saisies sur lui, et tout ce qui découle de ces armes, du coup, devient caduque. Les armes en elles-mêmes deviennent des preuves caduques, et tout ce qui découle de la découverte de ces armes en devient également caduque. Hier soir, j'étais attrapé avec deux fusils à pompe. Ok. Oui, bon là, c'était pas caduque, du coup. Ok, donc les fusils à pompe, dans tous les cas, vont quand même rester en armes lourdes. D'accord. Bon, la possession d'armes lourdes, en soi, c'est après, signé de leur larme. Je pas, c'est encore nous. Toc, 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 allez, Skittles, je suis au fond de la cible, là, je vais te palper, là. C'est jamais si l'avocat t'a pas donné une arme. Écarte tes bras, Skittles. Tout va bien, Riz. Tu crois que je suis inconscient ? Et moi ? C'est jamais parce que ton avocat, c'est une ripou. Pas du tout. Pardon. C'est bon, vous avez fini, madame Mira ? Oui, j'ai fini, Mira. Mais excusez-moi, je ne suis pas ripou. Oui, bah écoutez, vous êtes pas ripou jusqu'à preuve du contraire. Tout à fait. Il est où, Miller ? Il était là tout à l'heure, il doit revenir. Il est au téléphone avec madame Powell. Non, Miller, il arrive normalement. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il arrivait. Ça va, madame Powell ? Ça va et vous ? Ouais, vous avez passé une bonne journée ? Oh, oui, relativement bien. Oh, mais vous êtes Mida, mais celle qui est pas aigrie, celle que j'aime bien. Ben apparemment, je ne sais pas. Oh putain, désolé. Non, mais il enfin, y a désolé, pas de soucis. Désolé, oui et non. Hein. Je suis dans mon job, là je suis dans mon job. Et là, c'est Mira. 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 Oui. Ouais. Bien remise de blessure, sergent. Ouais, il en faudra plus. Il en faudra plus. Oui. Bon, oh, il est où, Bider ? T'es au courant de ce qui s'est passé ou pas ? Non. Bon, écoute, il y avait un ripou. Attends, j'appelle Bider. Je vous avais prévenu hier quand même. Hein. Un agent des forces de l'ordre ripou, du coup. Malheureusement. Ah, c'est malheureux. Ça arrive. C'est le problème, c'est que ce genre d'agent décrédibilise totalement les actions du SASP, quoi. Et la confiance des citoyens envers la police.
Non, non, je lui ai posé une question. Malheureusement, si les personnes commencent à mettre un agent dans le sac de toute la police, on va pas s'en sortir. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui, mais vous savez, les gens en général ont tendance à faire d'un grain de sable une généralité. Hein. Oui, mais bon. C'est une petite poussière. Vous êtes solvable, Skittles ? Solvable ? Solvable. Ben, encore ça dépend. Ouais, wow, ouais, t'as pris du galon toi depuis que t'es en prison là, c'est quoi cette voix d'homme là ? Bah non, c'est ma voix normale. Let's go, ou Skittles à poil ? Ouais, ouais, avant il avait une petite voix de Bobby. J'ai pas une voix de Bobby, y'a que Bobby qui a une voix de Bobby, hein. Une voix de salope. Jamais une voix de salope, hein, j'ai toujours une voix mature, t'as vu comment j'ai mué ? Miller, je peux vous parler ? Oui. Merci, Doudour. Ouais. Du coup, comment dire, si c'est sur des arrestations, sur des actions ripoux, c'est quoi, vice de procédure pour mon client ? Vous allez voir, vous inquiétez pas. Ok, ok. Tout va être expliqué. Oui, mais j'en doute pas. Ça va être expliqué, j'ai du mal. Voilà, le juste Miller va nous dire ce qu'il en est. Ok, tout va bien se passer donc. Oui. Ça fait un dossier parce qu'on a pris Malik, je te l'envoie. On voit Malik ? Hein ? T'as pris des joues ? J'ai toujours eu ses joues, mec. Hein. J'ai toujours ma tête de bébé. Hein. Des choses qui changent pas. Tête de bébé, tête de bébé. Tête de Skittles. Ouais. On va dire ça. C'est celui dont on se doute le moins, hein, au final, non ? Je vois comme ça. Le petit quartier un peu nul. T'as bien grandi, Skittles. Cache bien son jeu. Il faut, hein. Sinon, on fait quoi dans la vie ? On reste une merde, la chienne de son OG toute sa vie ? On essaie de s'en sortir comme on peut. C'est ça. Tu t'en es bien sorti. Ouais, c'est dommage, les gars. Après, vas-y, tranquille. Hein. Ouais, ton dossier, il est fou. Oh là là, je suis de nature assez impatiente. Là, j'avoue que... Wesh, il est énorme, ton dossier. Mais attends, mais il m'a fait un dossier de 5 pages pour du streamer. Oui, excusez-moi. Je t'avoue que depuis tout à l'heure, moi, je regarde sur tout le sol voir s'il n'y a pas encore un rat. Hein. Ah non, mais là, non, c'est pas possible. Après, on a une table assez haute, ils pourront pas monter sur la table. Hein. Je vais aller chercher. Attends, j'ai pas fini. Hein. Ouais, Mila, je peux vous voir. Si ouais, il a fait un dossier. Non, je vais pas vous montrer, les gars. Je vais vous montrer. J'aime pas trop bien savoir ce qui se passe, moi aussi. Ah là là là. Ah, monsieur Skittles. On a connu mieux, mec, hein. Ouais, écoutez. Faut prendre ça comme exemple. Ouais. Tranquille, hein, si tu veux, tu peux y aller. Juste ferme la porte à clé, je bougerai pas. Hein. Ouais, y'a pas de soucis. Tu veux les écouter sur les capots. D'accord. Ouais. Pas de soucis. Les gars, on dira pas qu'à Streama, qu'on veut pas que des joueurs se fassent trash et tout. Juste voilà, y'a une erreur. J'avoue que j'ai un peu le seum, les gars, parce que ça fait plusieurs jours que je prends un peu des dingueries et. En vrai, je sais pas pourquoi les jeux. Enfin... Je sais pas si c'était contre moi ou quoi, ou contre Médoche, ou contre un autre, mais j'avoue que ça fait un peu chier de... Ça fait un peu chier, quoi. Mais bon, tranquille. Ouais, apparemment, c'est surtout la POV de Médoche, en fait, qui est terrifiante. La mienne, en vrai, c'est juste du hasard. Enfin, moi sur la mienne, on dirait que c'est du hasard, mais ça n'est pas. C'est dommage que du coup ça rend les scènes pas très belles quoi. Et dites-vous que là, vraiment un Thomas il m'a dit, si tu veux frérot, il m'a dit ce qui s'est passé, on va inventer un vice de procédure et tu sors.
Il m'a dit, tu sors, il y aura rien. Je lui ai dit non. Vous allez voir ce que je vais faire. Franchement, après, voilà, c'est pas pour prouver, je sais pas quoi, quoi que ce soit, mais vous allez voir à quel point je fais ça aussi pour que vous compreniez à quel point j'en ai rien à foutre de lose. Je lui ai dit non, non, on va jouer à cette vidéo. Ben, Monsieur Berkeley. Ça dépend. Est-ce que tu es solvable, oui ou merde? Ben oui. Tu vas pouvoir sortir, Skittles. Comment? Attends, attends, je recommence. Oui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Skittles. Ouais. Commence par la bonne cette fois-ci. C'est que tu vas pouvoir sortir, Skittles. Ouais, la mauvaise. En attendant votre procès. En attendant votre procès. Mm-hmm. La mauvaise, c'est que vous allez sortir sous caution. Vous savez comment ça marche? Ouais. Bon, vous payez, vous donnez de l'argent, vous venez à votre procès, on vous rend l'argent. Si vous venez pas à votre procès, on garde l'argent. Il ira dans ma poche. Je prends 10%. Bon, écoutez, bref, ça pour dire, votre caution s'élève à 1 million de dollars. Ok. Je vous amène à Bolingbrook, du coup, je commence à organiser le convoi. Préparez plutôt une mallette pour l'argent. Hein. Ah oui. Ah, bah d'accord. Je vais prévenir monsieur. Sur deux, ça, monsieur Skittles. Je suis à côté. Ben, un million, ouais. Hein. J'ai dit un million. C'est pas 100 000. Ouais, j'ai bien entendu. Ouais. Je vous ai dit préparer une mallette ou 5 ou je sais pas combien. Du coup, je vais revoir mes honoraires, moi, peut-être. Hein. Bah ouais, Lara. Oui. Du coup, ça se passe comment on risque pour les primes? 1,5 million, Miller. C'est pas 1,5 million, Miller. Non, mais on est pas aux enchères, hein. Oui, capitaine. C'est ouais. Le juge a tranché 1 million de dollars pour la libération sous caution. Et vous l'avez sur un compte? Sur un compte ou en liquide? Il peut payer en liquide, Miller? En liquide, non. D'accord, le Nord qui tire sur des rats. Okay. Donnez-moi une IBAN, hein, et on le fera. Oui, bien sûr. SLO 113. Non, 113. Oui. IBAN du SASP ou du gouvernement. Oui, c'est alors, gouvernement, c'est GOUV, G-O-U-V. Gouvernement ou SASP? SASP, SASP, c'est bien. SASP. C'est nous qui t'avons arrêté, pas eux. Il me faudrait mon téléphone, du coup. Dans tous les cas, l'argent ira dans le compte du gouvernement à la fin, donc ça reviendra au même. Et monsieur Miller? Oui. Mais enfin. Quand même. Je sais que vous voulez votre nouvelle voiture. J'ai mon casier avec le code 8383. Il y a un mariage avec Colina. Du coup, maître Mida, vous arrangerez avec votre client pour une date pour l'interrogatoire? Bah écoutez, moi l'idéal ce serait de savoir quand les agents pour l'interrogatoire sont disponibles et je m'en accommode. Mm-hmm. Hein. 24, tu vois avec l'agent et tu me tiens au courant? Comme ça, tu es au courant, maître Mida? Attends, oui, attendez, je suis pas depuis tout à l'heure. Attends. Oui, ouais. Allô? Je passe un appel. Ah, je croyais que vous alliez mettre votre compte, putain. Je vais faire le virement, je vais juste demander à quelqu'un de le valider. Il doit aller à la banque. Ça fait longtemps que vous êtes avocate, maître Mida? Oula, ça fait 7 mois. Allô? Ouah, oui, ça commence. Alors, à dater. Un numéro, cas où un criminel vous appelle un avocat? Vous m'avez demandé hier, ouais. Mais je peux vous le redonner dans le doute, hein. Merde, c'était quoi les... ouais, ça 46, va, là, ouais, je me balade, je suis dans un parc. Tout le monde est dehors? Oui, c'est bon. Ok. Je suis ni en haut-parleur, ni sur écoute, ouais, je sais pas quoi, je suis dans une salle d'interrogatoire des flics. En gros, je vais être jugé, là, d'ici quelques jours. Tout ce que j'ai fait. Pendant ce temps-là, je suis libérable sous caution. Combien? 1 million. Donner du cash? Non. Donc tu sais quoi faire? Oh putain la merde. Ouais, c'est bon. Va à la banque, valide le virement du R, hein, de ta carte. Je vais à quelle banque? Pacifique, hein. T'inquiète. Le virement il va se faire tout seul, t'as juste à signer le papier pour dire que t'autorises. Vas-y, c'est bon, je vais ça. Ma gueule. Vas-y, t'inquiète. Je suis désolée, je me rappelais plus du tout vos noms de famille. Berkeley, ouais. Ouais, ils ont fait le call radio, j'étais avec ma patiente, j'ai pas tilté. Ouais, on m'appelle Skittles, non, c'est plus simple. C'est vrai que ça reste plus en tête, ça. Ouais. Comment vous sentez?
Ben moyen, c'est pour ça que je viens là et je savais qu'il fallait que je vous revoie pour ça. Donc autant le faire maintenant parce que... Peut-être une des dernières fois que vous me voyez. Hein. Comment ça? Bah je viens d'être arrêté par le SASP, j'ai des grosses enquêtes sur le dos. Ah oui d'accord. Mais après vous savez que vous avez le droit à des soins médicaux même en prison, hein, si vous êtes arrêté et jugé coupable. À mon avis la prison j'y ferai pas long feu, hein. 22 ans, petit quartier à la base. Donc, ouais, je vous souhaite pas et ça. Et multimillionnaire, ça fait rarement un bon ménage en tôle. Ouais, ça fait déjà long en prison. Ouais. Exactement. Alors du coup, vous aviez le syndrome de Hemmler. Hein. Ouais. C'était quoi? C'était... La myopathie de Hemmler, ouais. D'accord. Vous avez vu, du coup, votre médecin? C'était qui? Emiliana, mais impossible de l'avoir, ni de l'avoir, d'ailleurs. Ouais, ok, d'accord. Donc, compliqué. Et du coup, au niveau du traitement, vous avez plus de médicaments, rien du tout? Ben là, j'en ai plus. J'ai utilisé tout ce qu'il me restait. Ok. Du coup, ben là, cette nuit, j'étais en garde à vue. Je me suis un peu senti mal. D'accord. Après, voilà. Hein. Ok, d'accord. Et elle vous aviez mis sur quoi, Emiliana? Translarna 800. Comme médicament. Je sais pas si c'est ça la question. Oui, c'est ça. Je vais vérifier, du coup. Souvenez-vous, les gars, avec Trix, quand je faisais les scènes avec elle pour les maladies ou... Ouais, c'est contre la dystrophie, mais... Vous, c'est pas que musculaire, quoi. Vous, c'est neurologique. Pourquoi elle vous a mis des... Okay. Ouais, elle m'a toujours dit que c'était... Elle croyait que c'était musculaire, hein, mais j'ai l'impression que ça ne change rien. Oui, mais la dégénérescence, c'est neurologique, la dégénérescence. C'est pour ça que ça ne suit plus au niveau des muscles. Mais là, elle traite le symptôme, pas la cause. Attendez, juste deux secondes. De toute façon, vu qu'elle vous a donné ça, je ne peux pas arrêter le traitement tout de suite. Donc, on va continuer quand même sur du Translarna. On va juste diminuer doucement la posologie. On ne sait jamais. Je ne connais pas ce médicament-là. Donc, peut-être qu'il y aura une sensation de manque ou quoi. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça du tout maintenant. Et on va essayer de voir du coup. Je vais essayer de voir. Je suis désolée. Hein. Si je m'attendais à ce que vous veniez, j'aurais fait ma recherche. J'aurais regardé. Et vous avez parlé à votre cousin, du coup? Ouais, un peu. Après, c'est pas le sujet de discussion numéro 1. Il voulait juste avoir la confirmation que j'avais vraiment ça. Il me croyait pas. C'est-à-dire, quand on est un petit au quartier, on fait que mentir. Et au bout d'un moment, on nous croit plus. Donc, il pensait que je mentais et que je le faisais marcher. Non, mais d'accord. Juste, voilà, moi, je veux que vous lui fassiez comprendre que c'est grave. Quelque chose de pas commun. Ah oui, non, mais c'est clair. Vous avez pas de chance parce que c'est vraiment la myopathie de Hemmler, c'est pas quelque chose d'assez courant, mais il faudrait que je regarde d'ailleurs si c'est génétique ou pas, si vous avez une chance de l'avoir dans votre famille ou pas. Ouais, je vois pas, j'ai pas connu mes parents, donc malheureusement, j'ai juste un proche à moi, un oncle qui est à la prison de Bolingbrook là, mais bon, je crois pas qu'il ait ça. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est une impression d'être 3 ans en arrière. Comme j'ai dit, hein, c'est en fait là, on Quelle vous a folie. Donné du traitement. Ok, c'est bien, c'est pour le tissu musculaire. Parce que forcément, en fait, votre problème, c'est que la myopathie, c'est une dégénérescence. Donc en fait, c'est une maladie neuromusculaire. Donc c'est votre cerveau qui détruit vos muscles. Donc en gros, elle traite le symptôme. Donc oui, elle ralentit le problème qu'il y aura au niveau de vos muscles. Mais ça ne ralentit pas au niveau du cerveau. Ce que je peux faire, c'est que je vais vous prendre votre numéro de téléphone. Je vais faire mes recherches pour vraiment trouver le médicament qu'il vous faut. Ouais. Et je vais noter tout ça. Dès que je trouve quelque chose, je vais m'y mettre. Hein. Et vous pensez qu'à l'avenir, une opération peut y changer quelque chose? Honnêtement, je ne connais pas du tout votre myopathie. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait que moi, je recherche de mon côté et voir si oui ou non, il y a des opérations qui existent, s'il y a des implants, s'il y a quoi que ce soit. Je vous assure que là, moi, je travaille à vide parce que c'est la première fois que j'affronte ce genre de cas. Donc, Ok, pas de souci. Prenez votre temps. Après, voilà, moi, plus vite je suis sûr de pouvoir m'en sortir, mieux c'est. Hein.
Non, mais je peux comprendre. Bah, croyez-moi que s'il y a une seule chance qu'il y ait dehors que vous puissiez vous en sortir, croyez-moi que je vais essayer de la trouver. Ok. Ça, je peux vous l'assurer. J'aurais juste besoin, du coup, de votre carte d'identité et de votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, mon numéro de téléphone, c'est 555-83. Ok, impeccable. Et ma carte d'identité. Impeccable. Eh ben, monsieur Berkeley, je vais essayer de faire au mieux. Au pire, vous n'avez pas de nouvelles de moi ce soir, mais demain, grand max. Ouais, pas de soucis, c'est pas grave. Y a pas de soucis. D'accord. Je vais vous donner, je vais aller chercher le translanar, comme ça au moins vous avez au moins votre traitement qui repart, mais je vais essayer de vous trouver ce qu'il faut. Ok, ok, ça marche. Impeccable. Ben, je vais vous laisser attendre en salle d'accueil là, et puis j'arrive tout de suite. Pas de soucis, merci. Yo, d'ailleurs, pour mon cousin, il est venu vous reparler ou pas? C'est ma collègue qui s'occupe de lui. Ok. C'est ma collègue qui s'occupe de lui, c'est son médecin traitant, donc faut voir. C'est Sacha, je sais pas si vous voyez c'est qui. Non, je vois pas c'est qui. S'occupe de... bah, c'est une belle blonde, okay. C'est elle qui s'occupe de lui. Donc il... elle le force un peu parce qu'il traîne un peu des talons pour venir se faire soigner et diagnostiquer, mais vous inquiétez pas, ma collègue, elle lâchera pas le morceau. Okay, il viendra, okay. Vous inquiétez pas. Ça marche. Bon, nickel. Ouais. Non! Arrête. Je vais aller chercher vos médicaments. Arrête, je vous attends, pas de soucis. Ah putain, attends, parce qu'on va devoir, parler là. Ah, tu parles oula, fort, hein, cousin. Là, c'est possible. Devine qui lui a répondu, Skittles. Qui? Pauline. Vas-y, toi, mais cassez-vous, frère. Cassez les couilles. Et normal, elle répond, frère. Je sais pas. Ton frérot, il est pas là, ouais, si jamais. Il est pas là? Ouais, mais je pense que c'est en mode avion. Et viens, viens. Hop là, je vous donne ça du coup. Oui. Oh, yeah. Et voilà, du coup, okay. Je vous ai marqué. Bah, c'est la même posologie, vous changez à rien pour l'instant. Comme ça, au moins, on va diminuer progressivement le temps que je vous trouve quelque chose. Ok, bon bah merci. Impeccable. Bon, bah, je vous en prie. Oui, pas de soucis. Si vous avez pas de nouvelles de moi ce soir, ce sera demain. Pas de soucis. Bah, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh non, elle est trop klaxonnée. Arrête de mentir. Elle est trop klaxonnée. On dirait l'autre de la dernière fois. Qui? Le MS. Ta pote là, le MS. Ah, ma pote, frère, c'est mon médecin traitant, mon balèque. Ta gueule. Arrête de baiser, va te faire baiser, t'es fait. Ta gueule, t'es fait péter, t'as pas honte. La honte, c'est honteux. J'aurais dû suivre ton call de day off. Je suis pas fier. J'aurais dû suivre ton call. Allez dormir, allez dormir. On est full là ? Casse-toi. Je sais pas, frère, tu connais les bagues là, je t'ai parlé, frère. Toi, tu te fais péter, cher. Toi, tu t'es croisé la semaine dernière. Tu rentres à pire là. Vas-y, venez, on va au garage. J'ai pas de place. J'ai envie de crever. Ah. Non, mais montez dans le coffre, un mec dans le coffre. Mais ça y est, t'as une place dans la... Mais une place ? Ça con, va ! Putain ! Con celui-là, hein ? Trop con, frère, super con, méga con. Méga con, giga, ultra méga con, frère. C'est le moment de faire ton cul, toi. Ouais, j'avoue, ferme ton cul, t'as l'air un peu trop heureux. Je suis content aujourd'hui. Vous avez mis vite, on a failli prendre perpète. Vise de procédure, gros bisous, au baveux, affaire, classé. Personne connaît ? Ouais, après, il y avait un vice de procédure, mais moi, me concernant, il y a eu un vice de procédure sur hier soir. Mais tous les trucs que j'avais sur mon dos, frère, c'était pas que ça. Hein. Donc ça excuse pas tout le reste. Donc là, je suis sorti sous caution et voilà. Et je vais en parler au garage. Yo, Wagwan. Putain, c'est quoi ce flow là? Ah, tu connais Renan? Ah, militaire ou quoi? Ouais, c'est compliqué en ce moment, il faut s'équiper, hein. Ouais, j'ai vu ça, t'es wanted, mec, hein. Putain. Ouais, most wanted. Ouais, bah c'est une vieille histoire, ça va se régler. Si, en bleu, là. Ouais, je suis là. Putain, t'as coupé tes cheveux. Ah, j'ai pas eu le choix, j'ai pris une balle. Ah ouais? Une balle où? Une balle dans le crâne. Ouais. Putain, t'as survécu, mec. Ouais, j'ai eu de la chance. Dévié. Putain, tu touches du bois. Et le mec à gauche, c'est qui? C'est Cam. Ah, Cam, ouais, bah je les connais tous en fait, tes gars. Je pensais que c'était des nouveaux, je me suis dit, bon, t'as remplacé les anciens, mais. Et dans la caisse, visiblement, non. Il y a Cash aussi que tu dois connaître. Ouais, bien sûr, Cash connaît. Ça dit quoi, ça se passe? Grosso merdo, mis à part les Most Wanted, la guerre avec les mecs en costume. Ouais, franchement, on est on top hein, avec les YB là en ce moment. Bon, les YB ils sont un peu plus discrets, mais du coup, on est vraiment on top. Hein. Le business roule. Là, on a juste. Il vous manque quoi concrètement? Ouais, rien de fou, hein. Non, rien, franchement, il nous manque rien. Là, comme je t'ai dit, mec, je t'avais dit, moi, mon objectif de 100 millions, là, pour les comptes offshore, là, on est à 99,1 millions.
Donc il nous manque 900 000 $ et on est bon. Quoi, t'as spawn moi d'un maquillot ou quoi? Un petit virement, il te fait ça en vite fait, non, et quoi? Tranquille mec, la débrouille hein, depuis toujours, tu connais hein. On demande pas, on obtient. Tu parles en millions, et dire qu'il y a quelques années de ça, on parle en tableau, en pierre, en machin, mes couilles, putain. C'est vrai. Non, Ascension, elle est bien. Elle est fulgurante, mais elle est bien. C'est vrai. Vous voulez me voir du coup? Ouais, mais c'est qu'il y a du monde, putain. C'est qu'il y en a du monde. Par où commencer? Quoi, tu veux parler que à moi? Non, pas forcément, mais c'est un truc assez intime quand même te concernant. Et je pensais que la meilleure chose était que tu viennes seulement avec AD ou avec toi seulement. Ça concerne toi? Ouais, mais... Ta vie, en général. Des nouvelles sur ton grand frère, un tas de trucs, hein. Quoi? Des nouvelles de Draco? Ouais. Sérieux? Regarde. C'est quoi? C'est pas grand chose, hein, tu te doutes bien que, hein. Mais non. C'est à lui, ça? Ouais, d'ailleurs, regarde le haut chaud, hein, parce que bon. Oh, je sais pas pourquoi ils avaient ça encore là-bas à Liberty, mais. Mais t'es tout le temps ça, yo. Vas-y, attendez, ouais. Cash et Cam, allez dans la voiture, s'il vous plaît. Voyons, on va se balader au pire, hein. Ouais, vas-y. Tu me dis comme s'il y a quelqu'un ou quoi? Vas-y, t'inquiète. D'ailleurs, faut que tu me trouves des petits, hein. Je sais pas si c'est des. Toujours de l'influence ici, à Los Santos, je pense que oui. Si, si. Hein, vous me trouvez des petits, hein. Pour vider tout ça, là, histoire de faire un peu le ménage. Okay. Bah, tiens, les Vario 13, là. Ouais. Dans la soirée, appelle-les, ils viendront vider ici. Je leur passerai un billet ou tu leur passeras un billet. Vas-y. Ils font juste quoi, tous les trucs qu'il y a tout, dedans. Tout. Ils me laissent que les étagères, ils enlèvent tout. Ok, vas-y, je les appellerai. On investit nous aussi ce qu'ils t'ont, t'as vu? Ouais. Je suis un honnête black. Bah ouais, je vois ça, hein. Là maintenant tu te balades en toute détente, c'est carré. Hein. Bon, c'est fini, ça paye pas la cam. Hein. Enfin, ça paye, mais en problème. Hein. En plus de l'oseille. Enfin, bref. Ouais. Bah, j'ai passé pas mal de temps à Liberty, hein. J'en ai rencontré pas mal des Renois. La voiture derrière, c'est à toi? Qui vient de passer en bombe? Non, non, c'est pas à nous. Non. Ok. J'en ai croisé pas mal des Renois. Hein. Avec Makila, des anciens, des plus jeunes, bref. La plupart ils ont tous connu ton grand frère, bah la preuve hein. Le foulard là je le sors pas de mon cul, tu te doutes bien. Et bah j'ai appris le fin mot de cette histoire on va dire hein, même si j'avais un fort doute moi. Mais on va dire que bah pour ta protection à toi, que ce soit mentale ou même physique, je voulais pas forcément t'en parler. De quoi? De où Draco? Ouais. Mais t'es con quoi, pourquoi tu me dis pas? Bah je savais pas où il était moi initialement à la base, c'est ça que je vais te dire en gros Skittle, c'est que je l'ai appris là, il y a quelques jours. Ah, ok, ça va. J'avais des doutes sur des gens, au final bah il s'avérait que c'était vrai hein. Que ce soit le Big Rolls ou même Salva que j'ai tué pour une bonne raison. Et bah disons que c'est assez complexe maintenant. T'as un grand garçon maintenant Skittle, ça te fait quel âge là? 22, bientôt 23. Bah sur les grandes lignes, hein, j'ai te parlé avec des mots crus, de toute façon j'ai toujours été, j'ai jamais été sentimental, hein. Mais Draco tu le reverras plus malheureusement. Hein? Pourquoi? Non, il est toujours en tôle au Mexique? Non. Il est bien là où il se porte, je pense, hein. Il a pris perpète? Non plus. Sur les grandes lignes, Big Rolls, son projet initial avec Makila, tu sais c'était quoi? Non. Makila prenait de la place, patati, patata. Bref. T'as sûrement pas parlé, mais bon, on a parlé en tout cas à Liberty. Il voulait évincer Makila du business, lui. Malheureusement, bah, il a pas réussi puisqu'on était là. Toi, moi, et ainsi que tout le monde. Hein. Tout le monde a mis sa petite pierre à l'édifice, même AD, tout le monde. Ceux qui étaient présents ont mis leur pierre à l'édifice. Mais concernant Draco, on n'avait pas forcément le même statut avant. Mais Draco était bien avancé pour son âge. Ouais. Disons que dans ce business, la jalousie, l'oseille fait que bah. Tu connais les Big Rolls, hein. Et tu connais aussi Salva, cette Viper. Donc je vais pas te faire de dessin. Mais je connais l'emplacement en tout cas, c'est à Los Santos. Donc si tu veux attends, rendre attends, visite, attends, tu mais pourras. Mais emplacement de quoi? Qu'est-ce qui te donne ça? J'ai pas compris là. Comment ça? Je pense que t'as compris ce qui te là. Non, non, j'ai pas compris. Pourquoi je le reverrai pas? Il est en tôle, ils l'ont mis hors jeu, ils l'ont fait tailler loin, il s'est passé quoi? Bah comme je t'ai expliqué, hein. Disons que Big Roll c'est Salva. Après Salva je pense que t'es plus sous la contrainte. Hein. Je l'espère en tout cas, on n'aura jamais la réponse.
Mais disons que voilà. Mais Grawl, ça fait ce qu'il avait à faire. Ce qu'il voulait faire avec moi, il a réussi. Il a fait quoi, yo? Il l'a tué, Skittles, réfléchis. Hein? Putain. Skittles, t'es un homme, hein. Je sais que c'était ton grand frère, que tu vivais pour lui, mais t'es un homme maintenant. Tu peux être fier de là où t'en es. Et même si en soi, l'oser ne rachète rien, les belles voitures, les montres, les chaînes, tout ce que tu veux. Je suis déçu autant que toi, moi. Même si bon, ton frère, je le portais pas forcément dans mon cœur. Ça reste mon OG et je suis déçu moi aussi. Moi qui l'a aussi est déçu. Il aurait aimé venir pour t'annoncer la nouvelle, mais malheureusement. Ça veut dire que là, depuis tout ce temps-là, là, vous saviez qu'il avait fait ça? Non, j'ai su cette semaine, moi, Skittles. Par contre, des gens comme Salval, ça le veut depuis le début, du coup. Moi qui l'a? Attends, mais il est mort pour de vrai, t'as vu son corps, t'as vu un truc, c'est pas assez impossible. Il a appris il y a deux jours aussi. Bah. C'est comme un grand conseil, hein. Question Liberty, de Dover, ou je sais pas comment appeler ça. Je sais pas, ils sont bizarres, ces vieux-là, on dirait une secte, mais je pense pas qu'ils mentent, hein, Skittles. On aura beau chercher. La vérité, elle était dans la bouche de deux mecs. Salva et Big Rolls. Salva, je l'ai canné. À cause de toi. Tu sais très bien pourquoi je l'ai canné, Salva. Au final, j'avais raison. Et Big Rolls, malheureusement, bah... Il est mort avec la vérité, hein. C'est pour ça que Salva, il était protecteur avec lui, comme ça. T'as tout capté. Il s'en voulait ? J'en ai aucune idée, hein. Tu sais, quand tu tues ton OG ou quand t'es mêlé à ça de près ou de loin. Yo, mais attends, yo, t'es sûr que tu dis pas de la merde là? T'es sûr? Tu l'as vu? T'as des preuves de ça? C'est impossible, c'est frère. C'est personne dur que du Draco, c'est comme Makila, frère. C'est comme toi, c'est impossible de vous attendre. Ou comme Big Rolls. Pourtant, regarde. C'est ça. Si on est né poussière, on repart poussière, Skittles. Je sais que c'est dur à encaisser. Maintenant, t'es un homme, hein. Si je te le dis, c'est que t'es un homme, j'aurais pu te mentir et garder ça des années, te faire croire que ton frère a envie. Mais si je te dis la vérité là, maintenant, aujourd'hui, c'est pour que t'avances toi avec ton équipe. Certes, ça fait mal. Certes, c'est. Même moi, je m'attendais pas à cette nouvelle, hein. Je l'ai appris à deux jours, j'étais même moi dépassé. Je savais même pas comment t'annoncer, du coup, je suis venu en personne te l'annoncer. Maintenant, Et pourquoi il est pas venu, Makila? Il est complice, c'est ça? C'est lui, là, il a prémédité ça? Alors là... Complice. Après, frère, vous l'avez jamais aimé. Il est complice, quoi. À chaque fois que je vous parlais de Draco, vous me dites... À chaque fois, ça me disait, ouais, change de sujet. À chaque fois, on me disait, ouais, Draco, c'est du passé. Draco aussi, il t'a fait ça. Draco, il t'a fait ça. Ça a toujours critiqué, frère. Vous l'avez jamais aimé. J'ai quoi comme preuve, moi, pour me dire que c'est pas vous? Que depuis le début, en fait, on me prend pour un con, en fait. Depuis le début, moi, je traîne avec vous. En fait, vous me mettez au sommet. Pas pour... Mais en fait, je comprends. En fait, toutes les passes D que vous m'avez fait... Personne n'a jamais fait des passes D comme ça. Qui que ce soit, vous m'avez fait des passes D parce que vous en vouliez. C'est ça? M'en vouloir de quoi? Tu crois vraiment que je m'en veux de tuer un Renoir, moi, ou de tuer quelqu'un? Bah peut-être parce que vous êtes complice de Draco et vous savez que quand je vais la prendre je vais partir en couille. Donc en fait c'est une bombe à retardement et vous saviez très bien que si je le savais jamais, j'allais juste aller en haut, vous mettre bien, vous alliez vous barrer avec vos mallettes pleines d'argent et moi j'allais péter un câble ici. Donc moi depuis le départ, en fait j'ai peur que Skittles pète un plomb et qu'il se retourne contre moi parce qu'il a tué son grand frère. Bah ouais, ça t'a théorie. Bah tu sais très bien que je suis dangereux, tu sais très bien que même quand j'étais petit, je sais quoi, moi j'étais crotte de nez, Inglewoods. T'es un inconscient, mais une balle dans la tête, ça fait toi un mec conscient, mec. Ouais, mais alors qu'est-ce qui me dit que vous avez rien fait, revendiqué. Si, j'ai fait des choses, hein. J'ai tué Salva. Et vous faites ça peut-être parce que je suis votre petit frère, parce qu'au fond vous m'aimez et vous voulez pas me blesser. Mais parce qu'on t'aime et qu'on te protège, Renoir, c'est tout. Y'a pas d'autres trucs derrière, d'autres vices, d'autres trucs bizarres. Maintenant, si tu me crois pas et si tu le prends comme ça et tu penses que c'est moi, mais écoute, je remonte dans ma cipher et on passe à autre chose et reste dans le déni et dans le mensonge. Maintenant, moi je suis venu t'apporter des faits réels, des preuves. J'ai pas que ça à faire, si je vais rester à Liberty au chaud, il me devrait la pilule et j'ai tué ton frère, super, et jamais de la vie tu me rattraperas, j'aurais pu le faire, mais c'est pas le cas. Parce que la vérité elle est devant toi malheureusement, ta vengeance, tu l'auras jamais. Et pourquoi vous avez pas fait un enterrement? Mais je viens de te dire que le corps, je viens de t'apprendre où il est. Il est où? Même nous on ne savait pas, arrête de croire qu'on le savait, on vient de l'apprendre cette semaine, Makeda et moi. Il est enterré à Los Santos. Vraiment? Ouais.
Non, si tu veux qu'on les fasse des obsèques dignes de ce nom, on pourra. Maintenant, t'es wanted, mec. Hein. Est-ce que t'es prêt à prendre le risque dans un cimetière public, montrer ta gueule dans tout le monde? Tu crois que j'ai peur d'eux? Tu crois que j'ai peur d'eux, man? J'en ai rien à foutre, yo. Wanted, pas wanted, tu sais très bien, mec. Yo, what the fuck, frère? Ça fait 50 ans, frère. Il est mort et moi, je tourne en bourrique, en fait. Moi, j'ai fait tout ça, tout cet argent, je l'ai récolté pour lui, pour un jour lui on montrer. On tourne en bourrique, y a pas que toi. Hein. Makila, sa place, il était pas OG de base. Hein. Il a jamais été OG, ça a jamais oui, mais été ça l'a OG, bien arrangé, jamais au final. OG. Au final, non, tant mieux, non, il est OG, il arrive au sommet, moi. Tout ce que je fais, c'est pour lui montrer un jour de venir te vendre écoute, dire regarde, frère, tout ce que j'ai le fait. Le sommet, c'est rien. Le sommet, c'est rien. Regarde, t'es au sommet, regarde actuellement. T'es au sommet, est-ce que t'es heureux? Là, dans l'instant T, est-ce que t'es content d'être au sommet? Ben non, frère. Eh bah, je dis, l'oseille, ça achète pas tout, malheureusement. Et Makila, je t'assure que être OG, ça lui pète autant les couilles que moi être second. Non, si tu veux qu'on aille voir ton frère, en tout cas moi une dernière fois vu que je vais rentrer à Liberty on peut. On m'a donné une adresse avec un numéro de tombe, etc. C'est où? Cimetière de Los Santos, hein. Dans le sud. Je sais pas où exactement, ouais. Faudrait qu'on aille à l'emplacement et voir si c'est vraiment réel. Je viens d'atterrir, hein, donc je suis comme toi. Hein. Eh ben viens, on y va, vas-y. C'est parti. Allô? Sur votre droite, hein. C'est la dernière allée là où je suis. Quoi? Ah, bon. Vous. Ça c'est la 8ème, hein, de ce que j'ai compris. Ok. Yo, faire tout ça pour finir comme ça là, sous la terre là, dans une boîte et avec un vieux morceau de pierre comme ça là. Tu peux pas rester là longtemps. Parce qu'il y a les flics qui vont venir, mais yo. Je fais tout ça pour lui. Juste pour un jour le voir et lui dire yo, regarde tout ce que j'ai fait. Tout ça c'est pour toi, tout ça je l'ai fait sans toi. C'est moi le prochain OG, aujourd'hui je suis même OG, je suis à la place où il était, frère.
T'inquiète pas, il est fier de toi, je pense, là où il est. Il n'aura pas vu, frère, arrête de mentir. Y a personne, il est juste sous terre comme une merde, il est en train de pourrir. Moi, je suis là, je voulais lui prouver un jour que j'allais être OG, au final, non. Je parle à un quoi? Je parle à une pierre, à un truc où il y a écrit Rest in Peace. Avec son blaze. Et tout ça pourquoi? Moi je me suis dit quoi? Non, c'est peut-être nos pires ennemis. Hein, je vais avoir quelqu'un qui me venger. Non, les gens qui l'ont tué, c'est ma famille. C'est les mecs pour qui je bosse depuis toujours. C'est les mecs que j'ai enrichi. C'est les mecs à qui j'ai donné toute ma vie. C'est-à-dire moi j'ai failli donner ma vie pour vous. J'ai failli mourir pour vous. J'ai failli mourir pour Big Roll. J'ai failli mourir pour Makila. Et au final j'apprends quoi? J'apprends que c'est vous. Vous avez éliminé la seule personne qui m'est chère au monde. Fuck man. Il aura même pas vu Skittle Street, il aura même pas vu rien, il aura rien vu. Il va falloir qu'on bouge, Kate. Ouais. Pas mal de flics, Kate, hein. Faut qu'on bouge. Faut qu'on bouge, Kate. On passera laisser Skittles, on lui fera des. Un meilleur enterrement que ça. Rest in peace, frère. Je vais pas t'oublier. Peace, mec, hein. Yo, à partir de moment, ça va être zéro tolérance, hein, je te le dis, Dash. Ouais, t'as bien raison, concentre-toi, hein, sur ton objectif. Hein. Je sais que ça fait mal au cœur, mais c'est pas le moment de flancher, gros. Y'a des mecs qui comptent sur toi, et des mecs qui sont derrière toi et qui marchent pour toi. Que... En lui honneur, mec, hein. Dans le meilleur des mondes, t'es plus wanted et tu vivras une meilleure vie. Tu pourras lui rendre visite de temps en temps, et tu fonderas une famille, t'auras des enfants, des milliers de récos. Et voilà, c'est tout. Il faut aller de l'avant maintenant. Et je suis aussi peiné que toi, si jamais. Yo, préviens Makila que je vais le rejoindre, ok? Vas-y, je reste dans le coin de toute façon, moi ce soir, si t'as besoin. Quoi que ce soit, tu m'appelles et puis. Je ferai un débrief à Makila. Puis on viendra ici avec Makila tous ensemble. Avec tous les anciens. Il y en a pas mal, hein. Qui sont encore en vie. Issa d'ailleurs, il a envie si jamais. Ok. C'est bon? Ok, mec, on se biffe. Ouais, reste fort, hein. Ok? N'inquiète pas. Vas-y. Carrément dash. Ouais. Qui va, mon dieu? C'est un grand mot, hein. 75-0-0. Ouais. Ouais, allô. Ils sont où les mecs de cette voiture là? Non, il est au sens, il est dans la voiture là. Je suis en train de regarder s'il va bien. Il a pas l'air d'aller bien. What the fuck, il s'est passé quoi? Il s'est passé un gros truc. C'est ça, mon pote, ça a rafale. Ils ont braqué des keufs, ils ont braqué des keufs. Ils ont pas levé, ça s'est contre-braqué avec d'autres mecs et ça a tiré. Il est tombé là. Oh, y'a le Weasel Nook qui suit. Eh, vas-y, commence à me péter les couilles, je vais tirer à vue, hein, vraiment. Elle se demande la pose des autres. Vas-y. Ouais, vous êtes où? Vas-y. Explique-moi où vous êtes où? Eh, je choque les gars, plus je roule, plus je découvre mon pack graphique à des trucs, je suis choqué. Hein? Je sais pas expliquer où ils sont.
Et t'as dit quoi? Il m'envoie la pause. Je fais la pause. À l'intérieur ou... Ouais, ouais, à l'intérieur. Venez, on va passer par l'autre côté. C'est qui là? C'est nous. Ah, Imoski, il est tombé là. Ouais, monte dans le coffre. On sait. Masquez-vous. Tu peux descendre, Zonzon. On se masque? Ouais. Allô? Allô, Skittles? Ouais, ça va, Renan? Ouais, et toi? Ouais. Bien. Ça pourrait aller mieux, hein. C'est parti en couille, je te mens pas. Ouais, je sais. On touche de masquer. Parce qu'il est tombé avec tes grands sautos, hein. Je sais, ben... T'es où, toi? Tu peux nous aider, là? Je suis derrière toi. Oh, non. C'est parti en couille, on voulait juste les prendre en otage, mais... Mais du coup, Moski l'a tiré, mais comment vous en êtes sortis, vous? On a dû abattre des flics. Mais vous étiez les deux voitures? Ouais, il y avait la Paragon et nous, l'Astron. Ok. On les a braqués pendant 20 minutes et... Je pense qu'on va bouger d'ici, ça me paraît compliqué. Ils peuvent entourer la zone trop facilement. Donc on va aller ailleurs. Non? Si, hier. Tu me reviens pas, mec? Arrête. Ah non, je vous connais pas, hein. Viens me voir, veste bleue, là. La demoiselle là? Ouais. Winters. Ouais. C'est leur faute, hein. De quoi leur faute? Les ouverts. Ouais. Je reconnais Dash quand il mange, je le connais depuis ma naissance. Ah ouais, tu penses? Ouais. Tu vas faire quoi du coup? C'est bon. Mais là, je te le dis. Eux, là, derrière. Ça a toujours été l'équipe à Big Rolls. Ils ont toujours bossé pour eux. C'est ce que je t'ai dit quand ils se sont retournés. Ça veut dire que là, n'importe quel mec qui est derrière toi, là. Il peut nous trahir. Ça peut être le tueur de Draco, là. Ça peut être le mec qui a appuyé sur la gâchette, sur la tête de Draco. Makila, je pense pas qu'il me l'ait mise. Dash non plus, je pense que juste Dash là, il a pas voulu me dire exactement la vérité.
Il a pas voulu me dire qu'il est. Personne bouge, levez les mains, 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 levez les mains. Y a pas de lever les mains. T'inquiète. Sois pas con, sois pas con, y a pas de lever les mains. Sois pas con, y a pas de lever les mains. Écoutez, les mecs. Avancez, les flics, avancez, les deux flics, avancez. Il est nos armes. Ok, ok, on peste. Avancez ici, c'est tout ici. Baissez vos armes. Très bien, tous vos armes. Baissez tous vos armes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors. Baissez vos armes, on baisse. Ok. Je range mon arme. 3, 2, 1. Je baisse. Comment ils ont su, putain de merde? Oh, un tracker sous la voiture. Je suis pas en mode avion. On est le gouvernement. Baissez les armes, les gars. Je suis en mode avion. Dans tous les cas, t'as pas dit la pause. Le gouvernement? Ouais, vous avez deux otages là, c'est pas bon du tout. Ok, baisse ton arme là-bas au fond, s'il te plaît. Putain, j'ai tellement envie de la lever, fils de pute, moi. Il va falloir trouver une solution, les gars. Comprenez bien. On va laisser là les deux agents ici, surtout qu'il y a tout le SASP qui arrive là. Eh ben qui vient. Ouais, mais là le problème c'est que tout le monde va mourir si on trouve pas de solution. Eh ben on va tous calmer ici, mec. Là c'est pas bon. On va clamer ici carrément. Là Renaud, je vais pas te mentir. Hein. Je vais essayer de trouver une manière de nous en sortir tous les deux, mais là tous les mecs en face de nous. On s'en branle. On va se barrer tous les deux. L'avion il est prévu pour demain, ma gueule. Faut juste qu'on tienne une nuit. Faut qu'on tienne grâce à eux, mais Renaud, je vais pas te mentir. Hein. Là, je vais laisser personne. Non, pour l'instant, ça va. Il y a une armée qui arrive. Il y a une armée. Super. Il y a tout la ville qui arrive là. Ils arrivent là. Super. Ils vont leur faire un truc de fou. Merci. Tu vas voir ce qui se passe. Il y a pas de soucis, vous pouvez écouter sur moi, vous inquiétez pas. Ok. On a peur, Nolan. Un truc de fou. Je peux avoir des détails? Ouais, pas mal. L'adrénaline, là. Ouais. Putain, comment ils nous ont trouvés? Ok. Question mystère. Pas de problème. Ça va pas. Les gars, on vous laisse gérer. Berna, je te laisse gérer les négociations. Vas-y. Nous, on va essayer de trouver un plan, là. Ok, j'appelle des gens. Le but, c'est qu'on bouge d'endroit, on est d'accord? Ouais. Mais je pense pas qu'ils vont vous laisser, donc essayez de négocier. J'arrive. Ok. Bien. Attendez deux secondes, Il est où le cas? Il y a toute l'artillerie qui arrive. On va nous laisser sortir. T'es devant toi, Ok, non, c'est bon. Tu veux t'asseoir? Viens. À mon avis, il va y avoir deux cops, hein. On se casse. Entendu? Ouais, j'ai entendu. Sauf qu'on va sortir par là. Hein. Derrière nous, rentre. Ils sont armés. Oh non, faut. Barre-toi, hein. Je sais pas quoi faire là. Va sur le toit, trouve un moyen. Je vais re-rentrer. Ici, viens. C'est de l'autre côté, Renaud. Là, y a une échelle. Ah, là-bas. Pourquoi ils sont venus s'enfermer ici? Je comprends pas.
Je comprends vraiment pas la pause en fait. On s'est enfermé là, on est baisé, frère. Ils sont enfermés dans un endroit, c'est trop terrible. Je voulais sur le call du coup hein, de non individu, c'est que c'est ça. Ouais, tu es bon, tu l'as dit. T'as prévu dans tête, tu es bon. Moi, je sais pas comment gérer la situation. Hein. Ouais, mais okay, c'est mort, okay, c'est mort, okay, c'est mort. Ok, j'ai des éléments là. Ok. C'est tout, tu m'entends? 26, ça va? Toujours, tout va bien? Oui, oui ça, ça va, okay. Ça va. Ok, ok, les mecs. Okay. Là, maintenant, je vous le dis. Y a ces quatre. Non, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Endroits, okay. La police ouais, va reprendre okay, la négociation avec vous. Il est mieux pour vous de trouver une solution dans laquelle personne n'est blessé. Et que Seydou et 26 soient relâchés en bonne santé, on est d'accord? Ok, c'est bon, t'as fini de débiter? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, ramène tes copains. Voilà, je ramène mes copains, moi je me casse, ok? Moi je vais des gros poissons, parce que vous, vos petits glogs. Allez, ta gueule, Nolan. Oui, d'accord. 26, t'inquiète, 26! 26, Seydou! Hey, oui, merci Nolan. Super, merci, merci les collègues. Merci les collègues. Vas-y, salut Nolan. Ne quittez pas, ils seront morts, ils pourront pas assister à la soirée. Dommage. On sera pas mort. Bouge le Playmobil. Allez, j'y vais. Allez, bougez les Playmobil. Allez les Playmobil. Doucement. Ça va aller les gars, ça va aller. Bonsoir messieurs, du coup, on va prendre le relais pour le SASP. Vous allez bien? Non, ça ne va pas. Et vous allez bien? Nous très bien. Ah bah la réponse est juste derrière vous, retournez-vous. On donne de la force. Voilà pourquoi j'ai pas bien. Viens lui. Donc vos revendications, quelles sont qu'est-ce que vous voulez actuellement là? Comment on va gérer ça quoi? Il y a quelque temps vous avez fait des perquisitions. Ah mais cuit frère. Oui. Jamouski il est tombé avec l'AK. On récupère des choses et nous on veut récupérer certaines choses. Alors moi faut me parler en fac là. C'est quoi les choses qu'on a récupérées? Les perquisitions on a fait tous les jours. La tablette. Très bien, la tablette. C'est juste ça qui vous intéresse, la tablette. En échange des deux agents. Pas des deux. Oh le S est là. Quoi? Comment on va gérer ça gros? La sortie. Je sais pas. Pour ça la sortie déjà, c'est déjà le même point. Commence. Par contre la tablette. Ah malheureusement elle n'est pas. En plus ils ont encadré la zone là je pense. Ils ont encadré la zone. Je vais faire le nécessaire. Je peux vous faire le nécessaire. Après comprenez qu'une tablette ça se trouve pas comme ça. Parce que je pense pas que vous parlez d'un simple par exemple iPad. Yo vas-y allez derrière les gars. C'est bon. Vas-y. On change de négociateur du coup. Vous allez bien? Bah même chose que vos collègues où je vous ai dit non ça ne va pas bien. Donc c'est quoi que vous réclamez? Vous aussi la tablette? On reste sur ce point là? La négociation va être simple. On va pas tergiverser 1000 heures. On va aller là où derrière vous, là où sont vos unités, on va sortir. Je ne veux que une seule personne pour parler avec moi et je veux l'agent Riz. Face à moi, devant. Yep. Alors l'agent Riz, ça va être compliqué de l'avoir actuellement. Il est pas disponible. Trouvez un moyen, sinon il meurt. D'accord. Et l'histoire de la tablette, parce que là, vos amis, on est où là par rapport à ça? Tablette. Je vous ai demandé l'agent Riz. Chaque chose en son temps. Ah d'accord. Donc ça a changé d'équation. Très bien. Agent Riz, je vais l'appeler. Mais je ne suis même pas sûr qu'il soit disponible. Monsieur Seydou et votre agent, je sais plus qui, la 26 ou 44, elle meurt sur place. Je pense que c'est pas la bonne solution pour vous comme pour nous. Hein. Donc je vais faire le nécessaire. Revenez vers moi. Naruto Junior il s'appelle. Ah, il est pas quoi Thomas, il joue pas? Ah. Mais parce qu'il chiant. Je lui prête le temps de. Si, ah bah voilà, vous me dites de la merde. Cette maman a duré déterminée pour l'instant. Jusque à la fin. Pour l'instant. Chantez une berceuse s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi. Faut le faire dormir. Hein. Si, il faut le faire dormir. Je vais te tarder, toi. Quelle légende. Faut le faire dormir. Je sais pas, régale-toi.
bébé, n'importe quoi. Si, il est là, t'es con. Non, non, y'a plus. Si, il est là le bébé. Si, il est là le bébé. C'est quoi, c'est pas un chant, ça? Ah ouais, là je suis un bain de sang. Si jamais je m'en sors pas, donne pas. Venez, vous deux gardez les otages, vous autres venez là. Mesdames et messieurs, la star est là. Ferme ton pète. Les frères, je vous le dis, je vais tenter quelque chose. Soit ça passe, soit ça casse. Vas-y, je vous reconnais pas. Pas que ça passe, hein. Et au pire, cousin, t'as vu. Rappelle-toi ce que Matinée t'a dit, cousin. $300,000. On était soldats, mon frère. Et dans tous les cas, on a signé pour quelque chose. La parole de Makila. La parole, c'est de te protéger. On est là, mon frère. Donc sauve ta peau, tire-toi. Et on fera comme on peut derrière. On va se débrouiller pour que tout le monde s'en sorte. Maintenant, je vous mens pas, hein. Ah, derrière, faut que je te dise un truc, qu'est-ce qui te le dit? Ça jusqu'au bout. Ouais. L'hôpital, ils m'ont appelé là. T'en dis quoi? Ah non, c'est qui s'est fait gagner par une solution, les gars. On va négocier, machin, pas jusqu'au bout. C'est doux. Ça risque de. Une balle dans le thorax, une balle dans le crâne. Je vous le dis. Oui, oui, pas jusqu'au bout. Ça risque de mal finir cette histoire-là. Je vais faire des négociations, vous savez très bien, que ce soit avec Riz ou avec le capitaine ou quoi que ce soit. Vous nous faites confiance. Ça risque d'être compliqué. Donc, sachez que. Ce soir, j'ai appris la mort de mon grand frère Draco, l'ancien OG de Hoover. J'ai pas envie d'apprendre la mort de d'autres frères. C'est déjà trop tard. J'ai pas envie d'apprendre la vôtre. Je te mens pas, Mosky, il est resté, les gars. Donc, moi, de toute façon, depuis que Mosky est plus là, les gars, j'ai plus rien à perdre. Hein. Je vais gérer. Faites passer le message à eux deux là. Mais tant mieux, si je suis responsable, je peux peut-être sortir. Du coup, monsieur, je pense que vous l'avez entendu. Riz est arrivé. Ouais. Ce que je vous avais demandé du coup, c'est que on va sortir de ce bâtiment là, on va aller parler devant, et je ne veux m'adresser qu'à Riz, je veux pas 12 agents là derrière qui me font un. Alors, vous comprenez quand même qu'il y a un périmètre de sécurité, bien donc sûr, vous aurez quand même vu des agents. Oui, il y a pas de souci. Mais on sera pas 12 autour. Je veux juste que je puisse discuter avec Riz sans que, par exemple, l'agent derrière soit collé à lui, par exemple. Périmètre de sécurité, c'est totalement compréhensible. Je sais très bien que vous imaginez que nous sommes armés et dangereux et que vous protégez sa vie avant toute chose. Voilà, merci. Parfait. Du coup. Ils veulent négocier. Bah, refusez. Qui êtes-vous? À ton avis? La bande à Skittles. Possible. Tu le sauras si tu sors d'ici et que tu me laisses parler avec toi uniquement. On a peut-être des choses à se dire. Si je viens juste te prendre en face à face et qu'il n'y ait pas tes agents autour, c'est peut-être que j'ai des choses à te dire. T'as peur ou quoi? Non, non, c'est pas une question de peur là, c'est que là je manque de contexte encore et je charge une grosse soirée là, du coup j'ai déjà eu la chiasse. Pourquoi tu fais ça là? Pour la tablette? Non. Tu fais ça pourquoi? Tu le verras si on discute que tous les deux. Ok, mais si on discute tous les deux, il va falloir que je fasse un pas vers moi. Un otage. Lequel? La meuf. Tu viens sans arme? Non. Viens avec ton arme, je viendrai avec la mienne. Ok. Dehors, là où il y a les voitures. Vous avez garé votre voiture en marche arrière. Ce côté-là? Ouais. Là où t'es rentré. Ce côté-là? Oui. Ouais. Ok. Ok. Ok, c'est ce que tu veux, Skittles. Reculez, une fois que vous avez reculé, on avancera. Périmètre de sécurité, ce que vous voulez, je veux juste pas un agent collé à ton cul, je veux au Vas-y, moins qu'on ait 5 mètres d'écart. Fais marcher 26 devant toi. Attends, Riz. Allez, venez, on sort d'ici. Venez s'il vous plaît tout le monde. Prends un couteau avec toi 26. Ok. Je dois prendre la chercher si je dois la prendre. Le Renoir vous le mettez derrière vous, 26 et marche devant nous. Allez pas faire de bêtises hein, rassurez-moi. Hey, toi au milieu s'il vous plaît. Au milieu là, passez devant moi. Au milieu du pack. Et bougez pas. T'allais pas me tuer. Si vos collègues ne font pas de conneries, ça devrait bien se passer hein. Ok, je suis sûr que ça va bien se passer. Ah, Riz, ça va bien se passer, hein. J'avance avec vous. Hein, on met tout en ordre, hein. Et après, ce sera bon. Ok. Tout en ordre de question, on va se profiter. Je sais pas ce que je dois faire. J'avance, je bouge plus, je fais quoi? Allez, avancez.
Avançons. Okay. Avance, c'est bon. Doucement sur les portes. Nickel. Fais pas tomber le môme. Pardon ? Non, je le garde là. Allez-y, passez devant moi. Je passe devant vous. Attendez, je reprends le bébé, attendez. Il est à qui ce bébé ? Il est à un des preneurs d'otages, il m'a demandé de le garder. Allez-y, avancez. Peut-être, je sais pas. Qui Et est là ? Stop ! Elle a... Je sais plus. Ben, vous reculez un petit peu vos agents et je vous rends, madame. C'est là qu'on... C'était là qu'on s'est mis d'accord, non ? Ton gosse, t'en fais quoi ? Laisse-le là, la femme meuf, là, c'est bon. Ah ouais ? Laisse-le, ouais. 26, je le retrouverai au pire. Tu me regardes, 26 ? Oui, je regarde. Détente. Okay. Détends-toi. Ok. Tu peux avancer. Allez, viens. Merci. Faites ça ensemble, faites un truc. Je veux qu'on aille bavarder où, Skittles ? Si je reviens venir. Bah, ici, hein, juste derrière toi, on recule un peu et on se met là où il y a l'herbe, là, derrière ton collègue. Ok, allez, encerclez-moi les trucs là, les collègues, reculez, ils veulent discuter avec moi. Je passe un appel, je me mets gars en place et fais de même et on discute. Putain. Je vous conseille de vous éparpiller et de préparer vos chargeurs. Eh mais les affaires sont là, on est d'accord, hein. C'est doux. Non, non, on peut trouver une solution. Bien sûr. On peut trouver une solution, les gars. Je l'avais dit tout à l'heure. Les gars, on peut trouver une, voilà, une petite solution. Toi, écoute-moi. Hein ? Je passe un appel. On n'a pas de quoi répliquer, hein. Je pense que c'est toi, c'est pas forcément qui te bien. Oh putain. Et vu que j'ai toujours, j'aurais toujours. C'est Ezra Junior. Lui c'est normal, toi Junior. En ce moment de lui, il fait une éducation. Celle que j'aurais dû avoir au final, pas ça s'est pas fait. Tu sais ce que t'as à faire. Allo ? Peut-être que ça soit pas un petit con. Ouais mec. Ça va ? C'est plutôt à toi que je dois poser la question. Moi ça va. J'ai des flics en otage, je vais avoir une discussion avec l'agent Riz là. C'est celui qui a perquise ma cave. Encore en vie ce fils de pute. Ouais. On est dans la casse là à l'intérieur, en plein milieu. Mm-hmm. Y a des flics sur l'autoroute, dans la ouais. le bâtiment, à l'extérieur, autour. Je vais pas te mentir hein. Les hommes qui sont avec moi. C'est les hommes qui ont aidé Big Rolls. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne qui est avec moi actuellement peut être le tueur de Draco. Descends, le Dumps. Je commence à comprendre, hein. C'est bien. C'est un truc pour la jolie, j'ai un truc. Renoir. Putain, cache ils ont tué. Tout ce que je veux, c'est m'en sortir. Je vais tout mettre en œuvre pour m'en sortir. Il y a des flics sur l'autoroute, j'ai entendu. Il y a des flics sur l'autoroute. Enfin, je peux t'aider. Plan récup, je fais du grabuge à l'extérieur, tu veux que je fasse quoi ? Il faudrait que t'essayes de... Oh, sergent chef ! Il faudrait que t'essayes de me récupérer du côté des canaux. Maintenant, ça risque d'être compliqué. Hein. Là, on est entouré, plein d'armes partout, des flics partout. Bah, vu comment tu m'expliques la situation, c'est même possible qu'il y ait des flics sur les toits, là, à ce stade-là. Ah ouais, c'est enfin, même, c'est même déjà le cas, c'est même déjà le cas. Ça pue, je crois, ça pue. Donc, on va à droite, regarde, on va à droite. T'as combien d'otages, là ? On va à droite, ça prend les... Un. Combien des otages là ? T'en as qu'un ? Non, on va se faire allumer. On en avait deux, mais. Là, il nous en reste qu'un. Oui, il monte comme ça. Ok. Mosky, il est là ? C'est une très bonne question. Il est mort, Mosky. Il vient de se faire tuer juste avant, là, pendant qu'on essayait de prendre les otages. Ok. Par les flics. On va aller, merde. Ça va pas aller ? Je crois qu'on est plus que tous les deux, hein. Bah écoute, je suis en cipher, je vais tourner de façon autour, moi. On voit quand même l'adresse, histoire qu'il la mette sur le GPS. Et tu m'envoies un SMS en fonction de ce que tu souhaites. Ça, c'est juste un truc, hein. Pour Mosky, les gars, pour Mosky. Ça, juste un truc, c'est que. Ah, si je reste là, c'est fini ici. Jamais je pardonnerai au A-Train ou au Hoover ce que vous avez fait à mon grand frère. Tu vas pas mourir, gros. Je pardonnerai jamais ce que tous les mecs ont fait, tous les Hoover ont fait contre moi, tout ce qui a été conspiré depuis le début. Draco, il est mort et on m'a rien dit. Alors, oui, tu l'as appris. On nous a rien dit à nous aussi. Hein. Mais je pense pas que ça date d'hier.
J'ai regardé sur sa tombe la date de sa mort. Ça fait 2 ans qu'il est mort, Renoir. 2 ans. Vous vous foutez de ma gueule depuis le début. Et yo, moi, les seules personnes que je respecterai jusqu'à la fin, c'est toi et Makila, parce que vous m'avez toujours mis bien. Et peut-être c'est parce qu'au fond, vous vous en voulez et que vous le sachiez. Maintenant, une chose, tous les autres, je leur pardonnerai jamais. Et ils vont... Et t'as bien raison. Ça va témoigner de ce qui va se passer ici. Bah écoute, si tu veux que je te récupère en tout cas, attends mon SMS, moi je vais être à l'affût à côté, pas très loin. Et puis voilà, s'il faut faire du grabuge dans leur dos avant que ça part en couille, je le ferai. Ok. Et voilà, reste en vie, on ira boire un verre juste après, ok? Ok. Tu as décidé quoi? Il y a des mecs... Venez tous là, venez tous s'il vous plaît. J'amène le flic ou pas? Au-dessus de nous, il y a des flics. Hein. Je sais, il y en a partout. De toute façon, vous attendez à rien d'autre que des flics partout. Ah ouais. Allô? Allô? Allô, tu m'entends? Ouais. J'ai réussi à fuir. Ok, essaye de nous gérer une fuite de l'extérieur, ok? Je vais gérer ça. Faites pas de dinguerie, ok? On va s'en sortir bien. Ok, ça marche. Vas-y, mec. À toute. Adé, il a réussi à s'enfuir. Débité, attends. Je vais vous dire un truc. Quoi, ton bouclier, là? Cam, viens voir. Ah bon? Ça va aller, Seydou? C'est avec les autres. Ouais, dis-nous. Tu es sûr que ça va aller? Tu dis que ça va aller, Seydou? Comme je vous ai dit avant, ça va pas aller. Draco, j'ai appris qu'il est mort. Ouais. Désolé, frère. C'est mon grand frère. C'est la personne pour qui j'ai fait tout ça, pour lui prouver, etc. J'ai appris une chose. Ça? C'est que déjà il est mort il y a 2 ans, et que du coup tout le monde le savait et tout le monde me l'a caché. Je me mets de l'autre côté. Recule. Et j'ai aussi appris autre chose. C'est que c'est Big Rolls qui a prémédité tout ça. L'équipe de Big Rolls qui a agi. Putain. Rappelez-moi qui vous êtes. Vous êtes l'équipe de Big Rolls, avec les Hoover. Donc, concrètement, là, il est possible que devant moi, j'ai une des personnes qui a appuyé sur la gâchette pour participer au meurtre de mon frère. Recule au niveau de là. Sachez juste un truc, les mecs. Hein. Je vous ai aimé, je vous ai... Ils veulent que je recule, je vous ai chéri, je vous ai tout donné. J'étais prêt à vous donner 2,5 millions chacun. J'étais prêt à tout pour vous. J'étais prêt à donner de ma vie. Je vous ai admiré, je vous ai tous respecté pendant des années. Et j'apprends en fait que depuis toujours, vous êtes les mecs qui avaient participé à la mort de mon grand frère. Donc sachez un truc, hein. Je vous le dis, on va pas s'en sortir. Et encore moins vous. C'est quoi ce plan bombier là? Adé, il est dehors. Moi, je vais m'échapper. On va partir avec notre oseille. Et... Vous auriez bien fait de me le dire avant, n'est-ce pas? Tu connais comment ça se passe, Renoir? Vous le saviez? Ouais. Vous m'avez rien dit? Ouais, comment ça se passe? On suit les ordres. Vous pouvez pas te dire comme ça. J'ai cru en vous, hein. J'ai cru qu'on allait tout niquer. Hein. Là, on est sur le toit du monde. On est tout en haut. Maintenant, je vous le dis, hein. À partir de maintenant, là, à partir de cette discussion, c'est chacun pour sa gueule, hein. Chacun pour soi. Bon courage. Même nous, c'est comme ça, c'est comme ça, Skittles. C'est comme ça, ouais. Ah, j'ai pas de paxon. J'ai pas de paxon. Le gunfight, il va être trop nul. Je te le fais avancer avec toi ou pas? Non, garde-le là. Faites pas les bâtards, wesh. Vous êtes sérieux ou quoi? Ah, j'ai pas de son. S'il y a gunfight, j'ai trop le seum. Sur mon call, pour l'instant, stand-by, ils sont re-rentrés dans le bâtiment. Ok, ça marche, merci, pas de soucis. Mets-le, ça prend 10 secondes. Faut que je décore Eco, quoi. C'est un peu chiant. C'est pas grave, on s'en fout. Monsieur le braqueur. Monsieur. Tant que vous ferez pas avancer notre collègue... le sergent-chef ne se montrera pas. Fais-le avancer. Vas-y, je te l'envoie. Reste avec lui, hein. Reste avec lui avant qu'il tente quoi que ce soit. Il va rester ici, là, au niveau de ce mur. Ok, super.
De quoi t'as peur, Riz? Vous... Parce que, en fait, vous avez pas négocié de sortie. C'est pour ça que je suis là, non? Normalement, les gens, ils disent, voilà, on veut que vous dégagiez la voie. Attention, toi, Shane, je reprends la voiture. Pourquoi, désolé? Quoi? On est obligé de parler qu'une voiture entre toi et moi? T'es avec qui, Bobby? Ouais, je préfère, oui. Bah, reste avec le cap. Tu sais, Riz, si je voulais te tuer, j'aurais déjà tiré, hein. Ok, ok, mais écoute-moi, Skittles. T'as toujours pas négocié de poursuite. T'as toujours pas négocié de fuite. Tu me fais peur. Il est pas trop tard pour se ranger, Skittles. Est-ce que tu veux vraiment finir comme ça? Il est pas trop tard, tu m'as dit? Oui, il est pas trop tard. Il est pas trop tard, ok. Ça doit être ça, hein. Je suis most wanted. Je te rappelle les faits qu'il y a derrière moi. J'ai payé une caution $1 million. Je connais exactement les faits pour lesquels je suis recherché. On me les a énumérés un nombre de fois incalculable pendant un interrogatoire. Tu crois vraiment qu'il est pas trop tard pour se ranger? Il est pas trop tard, je t'assure. Renoir. Je suis pas Renoir, tu pourrais essayer de te racheter, donner des informations. Il y a encore 1000 possibilités pour que je t'en sorte. Ça a rien à voir. Tu sais que tu connais pas ma vie, je connais pas la tienne. Moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est que je viens d'apprendre juste ce soir et ces derniers jours que tout ce que j'ai fait depuis le début, en vain, tous les gens que j'ai respectés, tous les gens que j'ai aimés, en fait, ils m'ont baisé, ils m'ont menti. Ils m'ont protégé parce que j'étais un petit. Ils m'ont donné les choses par culpabilité. Qu'en fait, Renoir, moi, aujourd'hui, ouais, comme tu peux voir, je suis passé d'un petit de merde qui vend des pochons avec à un mec qui a une AK-47, c'est bien. Hein. Je suis fier de toi, Skittles. T'es fier de moi, mais tu rêves de m'en coller une, hein? Non. Je t'assure, je suis content de ce que t'es devenu. Mais je sais que tu peux encore bien finir, Skittles. Tu sais, quand je venais à Englewood à l'époque, quand ça venait d'être construit, j'avais qu'une hâte de te croiser Skittles, j'étais trop content. Tu vois, j'étais en plus à mes débuts, j'étais officier et tout. On en a fait du chemin depuis. Tu vois? C'est pas trop tard, Skittles. C'est trop tard, Renoir. Non. Tu sais pourquoi c'est trop tard? Oh non, me fais pas une punchline après, je me tire dessus, s'il te plaît, Skittles. Non. T'as du temps, t'inquiète. Tu te souviens, du coup, vu quand tu venais à Englewood, tu me croisais, je t'ai toujours parlé d'un OG, que j'étais le petit frère de l'OG, que mon grand frère Draco, il était pas là et que je le cherchais. Bah, sûrement, je t'avoue que je me rappelle pas, mais je suis sûrement. Tu dois pas t'en rappeler, mais en tout cas, tout le monde le sait, Englewood, j'ai toujours parlé uniquement que de Draco, que de lui, mon grand frère, oui, l'OG Déouvert. Oui, ça dit quelque chose, Draco, oui. J'ai appris qu'il est mort. Ben, toutes mes condoléances. Depuis tout ce temps, je l'ai cherché, j'ai fait des millions de dollars pour lui montrer un jour et lui dire voilà, il est mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait tuer par les mecs qui sont derrière moi. Et t'as pas envie de te venger? Raison pour laquelle je suis là. Viens te rendre. Je te jure, on lance un assaut. D'un côté, j'ai envie de ça. De l'autre, te donner raison après tout ce que tu m'as fait. Tu vois, je pense que si tu n'étais pas là, Riz, si juste tous les autres agents derrière étaient des gens normaux et pas la tête des punisseurs, peut-être que j'aurais fait ça. Il y a aucun punisseur derrière moi. Mais tu m'as volé $1,5 million. Tu m'as volé une tablette. Tu m'as volé un nombre d'armes incalculable. Tu m'as mis 2 balles dans le genou. Tu crois que j'ai oublié tout ça, Riz? Tu crois que c'est parce que j'ai rien fait et que j'ai mis ma vengeance de côté? Tu crois que j'ai oublié? Skittles, tu as fait des choses immorales. Skittles, prise de service, bonsoir. La cause qui te semblait juste, on est d'accord. J'ai fait des choses immorales pour la cause qui me semblait juste, Skittles. Toi et moi, on est pareil, juste on a des objectifs différents. C'est pas faux. Je sais que t'es pas un monstre, c'est nous. Je sais que t'es pas... C'est nous. Je sais que t'es pas... C'est quoi? Oui? Recule de là. Oui, je recule. Recule de là. Reva avec l'autre, Seydou, Skittles, viens. Bouge pas. Skittles. C'est bon. Seydou, repars avec son ami qui est derrière. Skittles, viens. Reste à mon niveau là. Oui. Regarde-moi, Skittles. Toi et moi, on peut encore trouver un terrain d'entente. Lequel? Peut-être une balance? Non, pas d'être une balance, non. Il va, s'il est encore derrière avec nous. On peut trouver une... Wow, attention.
Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Kita, tu me fais stresser là, tu me fais stresser non, ça là. Ça va pas bien se passer. Tout se passe bien, reste là, Seydou, reste là, reste à côté de moi. Fais pas de conneries. Oui. Skittles, je suis super tendu. Si jamais tu relèves ton arme une fois, ça reste. Arrête, Skittles. J'ai pas bougé. Vraiment, ne joue pas avec moi. J'ai pas bougé, n'essaye pas de faire un plan machiavélique ou je sais pas quoi. Écoute, Skittles, je vais te dire un truc. Regarde, écoute-moi. Tu poses ton arme. Ils ont enlevé la barrière. Je te jure, je redonne à mes collègues de lancer un assaut à l'intérieur là. Je te le jure. Là, tu vas gagner quoi? Tu vas mourir. Ton frère, il sera déjà mort aussi. Et les grands vainqueurs, ce sera qui? Ce sera eux. Dans tous les cas, c'est soit on meurt tous, soit on s'en sort. Non! J'ai aucun moyen de m'en sortir, tu sais très bien, Riz. Non! Tu peux t'en sortir, mes collègues peuvent sortir aussi, tout le monde peut s'en sortir sauf les fils de pute qui ont fait du mal à ton frère. Et tu veux pas prendre cette option là? T'es con ou quoi? Ou il manque des éléments? Moi, je vais te demander quelque chose, Riz. Ouais. Ouais. Je te promets de quitter le pays. J'ai de l'argent de côté. Je vais me barrer ou alors je vais me rendre. Peu importe comment ça se passe. Tout ce que je veux, c'est pouvoir me sortir d'ici. Pose ton arme, on trouvera un accord. Je peux faire venir quelqu'un ici qui va venir me chercher. Non. Et je pars. Non. Tu reverras plus jamais ma gueule, Renaud. Skittles, pose ton arme au sol. S'il te plaît. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, Riz, tu le sais très bien. Hein. Comme quoi? Comme tout ce que tu m'as fait. Tu nous as pas juste mené la vie dure comme un flic comme 22 aurait pu le faire. 22, il a toujours été dans la diplomatie avec moi. Tout ce que t'as essayé de faire, c'est de m'éteindre. T'essayes pas de mettre les gens en prison, t'essayes de les tuer. Skittles, si j'avais voulu le tuer, tu sais bien que j'aurais pu le faire. Et... waouh, Skittles! Oh putain. Ok, Skittles? Si j'avais voulu le tuer, je l'aurais fait depuis longtemps, Skittles, c'est pas mon but. Et moi, si je vais buter cet enfoiré, je peux le faire, Renaud, tu le sais très bien. Non, ça va aller, ça va aller. Tu te souviens, hein, ce petit connard là, hein? Tu te souviens, espèce d'enculé, va, quand tu négocies avec moi, tu te rappelles? Hein? Non, de quelle négociation? Que t'as mis un tracker sur une putain de tablette et que vous m'avez retrouvé. Il y a quelques jours. Il n'y avait pas de tracker sur cette tablette. Il y avait un putain de tracker sur cette tablette. Heureusement que j'avais des économies de côté. Heureusement que j'avais des économies pour juste me sortir de là. Écoute Skittles, écoute, Seydou il a rien à voir. Seydou il a rien à voir, c'est quoi le rapport avec Seydou? C'est un putain de Bounty déjà pour commencer. Et en plus ce putain d'enfoiré collabore avec des gens comme toi. Ils aiment des gens comme toi. Alors que tu te rends compte tout ce que t'as fait. Sache une chose Riz, que là si je te tuais avec mon AK-47 qui tirerait certainement peut-être plus vite que ton pompe, juste mettre une balle dans la tête me vaudrait le respect de tout le monde. Même si je meurs, tout le monde irait sur ma tombe prier et dire putain Skittles il nous a enlevé une épine du pied. Skittles. T'es pas le seul hein, y a des flics qui posent problème mais t'es le plus problématique. Et sache que je suis pas dans les actes héroïques hein. Skittles, mais je rendrai un service à tout le monde. C'est parce qu'ils savent que ce que je fais c'est pour le bien. D'accord, t'as choisi ton côté. Ok, t'as voulu prendre le côté du mal, vendre des stupes, vendre je ne sais quoi, des armes pour t'en sortir. Pour rien, parce que ton frère il est mort. Mais Skittles, je suis en train de perdre patience. On va trouver une solution, hein. On va tous sortir de ce merdaire là. Tu connais Dash, des Hoover? C'est toi et moi Skittles, déjà Seydou il a rien à voir, donc lâche-le. Est-ce que tu connais Dash, des Hoover? Non, je connais pas Dash, des Hoover. Il y a des gens qui enquêtent ici, qui connaissent Dash, des Hoover, le second? Oui, ils me disent oui en radio. Actuellement, il peut venir me récupérer à l'intérieur. Ici, là. Si tu me laisses partir, je te renseigne d'où. T'as les hommes qui sont derrière toi pour toi. Et moi, je vais me casser d'ici. Ça me semble pas impossible, ouais. Oui, ça semble bien, voilà. Hein. Ça te semble pas impossible? Non, ça me semble pas impossible. C'est la première solution. La seconde, c'est agir avec inconscience. Non. Non, on va pas arriver là. Ok. Ok, on va faire ça. Ok. Ok. Hey, tu vas où? On va où? Tu vas où? Bouge pas, okay. Tout va bien se passer. Si seulement t'avais couru, Seydou, si seulement t'avais couru. Oui, mais j'allais te faire un signe, putain.
Skittles ? Skittles ? Oui ? Est-ce que tu penses que je peux faire pipi pendant une minute à l'arrière de la voiture sans que ça parte en couille ? Bon, c'est à toi qu'il faudrait... C'est à toi qu'il faudrait dire ça, hein. C'est peut-être un plan ? Non, 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 c'est vraiment réel, j'en peux plus. Eh ben, vas-y. Tu te fais couvrir, Skittles ? Oui. Ok. Tenez le coup, les collègues, faites rien, d'accord ? Faites rien. Bah... Hey, qu'est-ce qu'il y a ? Pas non, de c'est mouvement, bon, pas de ça va se passer. Reste oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai rien demandé, hein. J'ai fait seulement mon truc là. Pipi. Hein, je mets les PV, toi, c'est tout. Hein, je fais juste les PV. De là, mon chef, t'inquiète, hein. Je dois arrêter de mettre les PV, je vais arrêter. Tu vas arrêter de mettre les PV, d'accord, Inglewood ? Oui, je vais arrêter. À je jamais. Vais arrêter. T'as compris ? Oui, à jamais, oui. Je veux pas de PV pendant un mois, Inglewood, d'accord ? Ok, très sinon, bien. Sinon, on vient de chercher toi, ta femme et tes enfants là où t'habites, là, à Vinewood. D'accord. Foiré. Hein. Foiré de négociateur de merde. Enfoiré de Seydou, yo. Enfoiré, man. Non, ça va aller. Hein, tu as bâti. Non, fuck you, non, man. Non, y a pas fuck de fuck you, non. Bitch. Non, il faut avoir foqué. Ok ? Tu as bâti. Voilà, fuck you, man. Non, il faut, tu as fait tes affaires, d'accord ? I don't speak Angleterre. Ça va aller, Seydou, ça va aller. Tu vas faire des affaires, c'est un malade. Il faut quitter. Faut pas foquer. On a déjà un HRT sur le toit, non ? Un HRP ? Ou un HRT ? Putain. Ok, Skittles, ok. Ok, il est là, c'est bon. Il est là. Il est là. Il arrive ton pote. J'envoie un SMS, il rentre. Faciliter son entrée, laissez-le venir jusqu'ici. C'est bon ? Baisse ton arme, Skittles. Tu peux rentrer ? Ils veulent pas, ils m'ont dit de bouger à l'entrée. Eh ben, ils vont passer le call. Il y a un mec qui va arriver. Tu vas arriver. C'est le pilote de Skittles. Vas-y. Il faut pas. Ok, vas-y. Il faut le laisser passer, sinon il tue Seydou. T'as l'air d'avoir vachement le sourire. De notre côté, ouais. Qui ça ? Parle à moi ? Ouais. Non, j'ai aucun sourire, je t'assure. J'ai un petit rectus parce que vraiment, j'avais vraiment trop envie de faire pipi. Ouais, ok. Hé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Non, mais en gros, si tu braques ton arme, je braque la mienne. Oui, mais, sergent chef, vous avez un pompe, hein ? Ça veut dire que vous voulez me défourailler moi aussi. C'est vrai. Ok, vous faites attention. Arrête de bouger, je vais t'allumer. Ok. T'inquiète pas, c'est doux, on a un angle. Ok, super. Ils ont un angle, hein. Vous avez entendu ? Mm-hmm. Je te regarde dans les yeux, là. Enfin, dans tes lunettes, quoi. Oui, regardez-moi. Ce serait dommage que ça se termine ici. Et c'est pas ce Brise. Que je veux. Ils veulent pas qu'ils rentrent là, apparemment de ce côté-là. Si, de ce côté-là. S'il vous plaît, il faut le laisser rentrer, apparemment il le laisse pas rentrer. Tu me prends pour un con ou tu penses que j'ai pas vu ce que tu viens de faire ? Moi ? Ouais. Hé, hey, il a fait quoi ? J'ai fait quoi ? T'as rien fait ? Putain, tu deviens parano là. Riz. S'il est pas rentré dans 15 secondes, je vais... S'il est pas rentré dans 15 secondes, il va tuer... Je vais partir à mon option 2, tout simplement. Non. Mettez 30 secondes. C'est ton pote qui est du mauvais côté. Comme toi ce soir, t'es du mauvais côté, Skittles. Regardez, il arrive là, regardez, il arrive là. Voilà. Faites-le descendre de sa voiture. Il veut qu'il descende de sa voiture. Je veux voir si c'est vraiment lui. Centre du véhicule, il veut vous voir. Ouais, il va me voir. Hein. C'est toi ?
Trois fois que je fais ça, je suis dans un rêve ou quoi? Putain. C'est toi, Renan? Voiture n'a pas moi, hein? Ouais, c'est moi, ouais. Ok. Ça va être simple. Riz. Oui. Toi comme moi, on veut pas ça. Oui. Je monte dans la voiture. Oui. Je laisse Seydou à pied, il va vous rejoindre. On va poursuivre. Ouais, ça c'est... Ça va toi. Peu importe ce qui se passe, la suite. Je veux juste pouvoir sortir de cette casse. Qui se décide pour la poursuite? C'est bon, c'est fait. Et voilà. L'hélicoptère, ça va être compliqué, hein. Je sais. Ok, parfait. Je sais que ça va être compliqué. Ouais, on avait la poursuite, t'es perdu, quoi. Quand tu veux, quand tu veux. Vas-y, hein, prends la voiture, Dash. Je vais marcher à côté de la voiture, hein. Jusqu'à que j'ai un angle pour rouler, après c'est... Hein, tranquille, tranquille. Ça changera rien. Ça marche à la confiance, hein. Y'a pas de baiser, hein, je pense pas. Ouais, essaye de retourner avec tes collègues. Ah, allez, viens, c'est bon. Accélère. Ouais, ouais, il part. J'ai jamais dit que je savais pas conduire, moi. Je t'avais dit ou pas que je savais pas conduire? Non, je pense qu'on va pas les laisser sortir, hein. Qui? Les flics. Tu veux quand je m'arrête? Toi ici. Recule, fils de pute. Recule, enfoiré. Recule, fuck. Fuck, man. Recule. Va de l'autre côté de la casse, Renaud. Va de l'autre côté. Je veux pas qu'ils sortent, ces enfoirés, yo. Je veux pas que toute l'équipe, les Bernard et tout là, je veux pas qu'ils sortent, ces putains d'enfoirés, man. Qu'est-ce que tu racontes là? Yo, man, ils ont... C'est l'équipe à Big Rolls, yo. Ils ont fumé Draco, frère. C'est à cause d'eux. Tout ce que je veux, c'est qu'ils crèvent, ces putains d'enfoirés, man. T'entends pas quoi ce qui se passe autour là? Reste autour de la casse, man, reste autour de la casse. Et si tu penses que c'est... Si tu penses que je... Que là, je suis en train, je sais pas, que t'es pas chaud pour ce que je suis en train de faire, laisse-moi à pied. Je vais m'occuper du reste. Pas chaud, c'est que t'es gourmand, Skittles. Y'a rien de gourmand, man. On a déjà deux voitures. Sauf ton cul. Et derrière, tu crèves derrière? Tu finis un taux lavé? Tu veux que je sauve quoi, déjà, frère? Y'a rien à sauver, y'a rien à sauver. Tu veux sauver quoi? Tu veux te venger proprement? Commence à bouger les deux voitures derrière nous, déjà. Enfin, ça te calme. On a rien à foutre des putains de voitures, man. C'est des flics. Là, je descends, les deux voitures, elles sont out. Ouais. J'aimerais bien voir ça. Hein. Tu me crois pas? Pas la tête, hein, Skittles. Bien sûr que je te crois, mais tu parles la tête, grand. Yo, Renoir, ils ont tué Draco, yo. Tu te rends compte? C'est l'équipe à Big Rolls qui pensait que moi. Quand je suis venu te sauver, ils m'ont raqué devant Big Rolls. Ils m'ont braqué. Comment tu sais qu'ils étaient là quand ça s'est passé? Parce que c'est l'équipe à Big Rolls. Ils m'ont braqué le jour de devant la piscine avec toi. Ils étaient prêts à me canner, frère. Tout ça c'est votre faute, tout ça c'est eux, c'est l'équipe à Big Rolls, man. Je peux pas laisser les tueurs de Draco en vie, man. Je peux pas les tuer de moi-même, je peux pas. Ils sont trop nombreux. Bah écoute, ils sortiront pas d'ici, hein. Ça sera leur tombe à eux. Je veux pas qu'ils meurent. Je veux pas qu'ils meurent contre les flics. Ils m'ont avoué que eux, ils étaient au courant depuis longtemps, qu'ils le savaient, là, je leur ai dit. Là. Putain, tu me l'as pas dit au téléphone. Tu me l'aurais dit, on a fait un truc pas plus intelligent que tourner et attendre qu'ils sortent, gros. Je veux juste m'assurer qu'ils soient morts, après la suite on s'en charge. Oh, ils vont mourir, t'inquiète pas. Niveau essence, je suis à un peu plus de la moitié. T'entends ce bruit, t'entends? Cette mélodie. Cette mélodie, man, ça, tu vois, c'est ce que j'aurais dû leur faire à ces fils de pute. C'est ce que j'aurais dû faire. Et dire comment t'avais peur de tuer juste quelqu'un déjà. Putain. Fuck, man. Fuck. Je pense pas qu'ils sortiront, en gros. Hein. Faut que tu penses plutôt à ton cul, hein. Attends, j'ai fait sortir AD pour qu'il nous sauve. Y'a les baby drivers ou je sais pas quoi là, mes couilles là, juste derrière, tu les as vu, hein. Fuck. Avec deux voitures, si tu veux. Appelle-les eux au pire, hein. Attends, j'appelle AD, il est sur messagerie. Ouais, je l'ai appelé juste avant. What the fuck? Appelle les machins là. Ils étaient juste à côté là. Ouais, ils sont juste à côté là, j'ai croisé. Tu leur demandes un plan. Attends, sauf ton cul à toi, moi je me branle, tu sais. Je réfléchis ça. Bah, fais chier vite, hein. La moitié du plein, BG.
Fuck man, fuck yo Draco. Je l'ai même pas vengé Renoir, ça se trouve là, Berna, Melo, tout ça, c'était les mecs qui avaient tué Draco frère, depuis tout petit je les respecte et c'est eux en fait, les putains d'assassins et tout, ça se trouve tu savais, tu m'as même pas dit frère. Oui, tu m'as même sais, pas dit. Je suis avec toi dans une voiture avec des flics derrière moi. Mais c'est peut-être parce que tu t'en veux, parce que t'es le seul mec qui a un cœur. Je m'en veux de quoi? Depuis quand je m'en veux moi? Hâte d'être con, j'ai été berné comme toi gros. Makeda était berné comme toi aussi. On est juste trois idiots, c'était sous nos yeux, on l'a pas vu, c'est tout. Maintenant faut que je trouve une solution pour sauver ton cul, regarde derrière nous les voitures qu'il y a. On capelle les bébés d'arriver en mes couilles, garde ton sang froid, et on discutera après de ça. Tu captes? Sauf tes fesses mec. Fuck. Putain, et maintenant j'ai des décos sur moi je crois. Fuck. Je t'ai mis dans la merde là. Bon, si c'est pour toi. Tu restes le petit ref, hein. Putain, ils ont tué Draco, frère, mais Draco, fuck. Gros. On sent de toi, là. Fuck, man, fuck. Non. Lâche ça. Conduis, man, conduis. Oh. On a un putain d'hélico et deux voitures sur nous. Appelle les baby drivers, ils viennent nous sauver, gros. Qu'est-ce que tu me fais, là man. Putain. T'as quoi en ski on va se faire attraper hein. Il va falloir descendre et... Va vers Wardog man, va vers Wardog. Why? C'était quoi ça? On se fait tirer dessus man. C'était va quoi vers Wardog, va vers Wardog, c'est l'hélico, il nous tire dessus. L'hélico, ils ont des mitrailleuses dans l'hélico. Ils ont des armes. Fuck putain. Man, je t'ai mis dans la merde, je vais tuer mon deuxième grand frère. Bombarde. Va à droite, va à droite. Fuck. Yo mec, je vais faire un truc, ok? Why? Tu vas t'en sortir, yo, moi je vais gérer. Va vers la boucherie. Va vers la boucherie. Tu me racontes là, on va tous les deux partir hein. Yo Renaud, non, fais pas de conneries yo frère, t'es mon deuxième grand frère, je peux pas, déjà j'ai perdu Draco. Viens, on s'occupe des voitures déjà. Si tu veux faire un truc, viens, on s'occupe déjà des voitures déjà qui nous suivent depuis tout à l'heure. T'es chaud? Tu vois derrière là, tu vois le truc de couture derrière? Je vois rien du tout, moi j'ai pas le GPS moi. Fais-moi, fais demi-tour. Je marche pas au GPS moi. Fais demi-tour, y'a un bâtiment, on va rentrer dedans. Laisse-moi y aller tout seul Renaud, ok? J'y vais tout seul. Tu me dis et barre-toi en voiture. À droite, là. Ouais, c'est le bâtiment à droite après là. Pas maintenant. Tu me racontes, j'ai avec toi, moi. Attends. Tu crois que je vais. Non, frère, viens pas avec moi. À droite, la moitié de l'essence et j'ai un hélico à sur droite, moi. Et arrête-toi devant la porte là, ici. Là, ouais. Là, vas-y. Barre-toi, mec. Va pas avec moi. Renoir. Rentre. Frère. Putain. Pourquoi? Mais barre-toi, yo. Tu crois que je vais te laisser ou quoi? Renoir, arrête d'être con, yo. Toi, arrête d'être con. Tu crois que je vais te laisser ou quoi? Renoir, Makila, il a besoin de toi. Pourquoi tu viens? Tu m'as ramené, c'est trop tard. Hein. Fuck. Frère, je sais pas quoi faire, là. Je sais pas quoi faire, Renoir. Viens, t'explique, viens. Non, je crois qu'on a un breacher, Attends, ils ouvrent. T'inquiète, t'es plutôt un cover, viens. Un qui se colle à droite, un qui se colle à gauche, Mathéo. Ils vont rentrer, frère, ils vont rentrer. Tu peux aller en face, s'il vous plaît? Renoir. Lâche ton AKM, viens. Quoi? Lâche ton AKM, mets-toi à genoux. Non. Donne-moi ça, là. Renoir, non. Arrête. Rends-moi ça. Mets-toi à genoux. Ils vont tirer dessus, mets-toi à genoux. Renoir, rends-moi ça. Mets-toi à genoux, je vais te tirer dessus, là. Arrête. Chute-les, man. Chute-les, ils vont rentrer. On me dit quand on peut. Mais mets-toi. Rends-moi ça, man. Ils vont te tirer dessus, mets-toi à genoux. Rends-moi ça, fuck. Putain. Fuck. Fuck you, man. Non, il y a des avantages. Il y en a un à gauche, un à droite. Putain, Skittles. Open la porte, attendez. Arrête, frère. Je les laisserai pas m'avoir, frère. Attention, bouge pas. C'est bon, les collègues, on est là. Vas-y. Passe de notre côté, Adam. Passe de notre côté. Gouvernement, faites une deuxième colonne d'assaut à droite, si vous pouvez. Temporiser, hein. Temporiser un peu.
Ok, bah il faudra. Lâche, frère. Vas-y, lâche ton arme en toi, gros. Messieurs, messieurs, SSP. Je peux pas mourir ici. Ouais. Dernière chance de vous. Je vais rejoindre Draco, frère. Laissez-nous 4 minutes, on vous rend le petit là. On passe sur la radio 2, on est en train de faire un assaut avec. Ils ont mis des, ils ont mis des fumigènes, Romain. Ils ont mis des fumigènes. Ton arme en toi, gros. Non, frère. Tu crois Draco, il se serait rendu là? Tu crois Draco, il a envie que je finisse derrière les barreaux? Quel barreau? Puis tu vas tirer quoi? 20 ans, 10 ans, grand max? Viens. Non, frère. Skittle, tu m'entends, Skittle? Quoi? Pas de notre côté. Skittle. Oui, je t'entends, tu veux quoi? T'as quel âge, Skittle? T'as quel âge? Bientôt 23. T'as vu, t'as que 23 ans, t'as encore une longue vie devant toi, tu sais encore faire beaucoup de choses. Te laisse pas endoctriner par lui, je pense pas que ton frère ou je ne sais pas qui t'aimerait te voir en prison. T'es sérieux ou quoi, mec? J'ai dit de se rendre depuis tout à l'heure, moi. Je vais pas me rendre, frère. Ils ont tué mon grand frère. Ok, les flics, vous m'entendez, les flics? Oui. Laissez-moi 2 minutes, il va rien se passer, de toute façon, il y a qu'une sortie. Laissez-moi 2 minutes. Je vais pas me rendre, frère. S'il y a pas de signe de vie, vous pouvez lancer l'assaut, c'est bon? Je vais pas me rendre, Dash. Tu peux tout me dire, je vais pas me rendre. Vous me laissez 2 minutes? Renoir, si je me rends, ils vont te tuer. Tuer de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ils vont tuer, frère, tu vous sous. Alors on va finir derrière les barreaux tous les deux. Tu sais combien j'ai d'ennemis, frère? Tenir la carte, donne la carte. Je sais la tenir, arrête. Je sais la tenir. T'avais aidé un chargeur entier dans une porte en bois, tu lui dis la tenir. J'ai pris des muscles, j'ai pris des muscles. Renoir. Donne la carte. Non. Toi, au pire des cas, tu prendras quoi? 10 ans, grand max. C'est tout. Oui. Madame de chez nous. Regarde, il est mort. Cette bitch. Fuck you, man! Reculez, allez. Monsieur, Skittle. Vous laissez un répit, hein, je vous préviens. Une dernière chance, Skittle. Pour ta vie. Renoir, tu sais le nombre d'ennemis que je me suis fait en prison ou pas? Est-ce que tu sais? J'ai attaqué tout le monde, j'ai récupéré une tablette d'armes, j'ai attaqué toutes les grandes familles, tous les gangs, tout le monde. Si je vais en prison, je suis pire qu'un homme mort, mec. Je laisserai jamais, ne serait-ce donc que... Donc tu veux mourir et tout gâcher? Je veux pas mourir, frère. Tu vas laisser tes millions de dollars au Panama, tu veux laisser AD tout seul? Tout seul? Tu veux qu'Adé reste seul sans toi? Adé il me répond pas, frère, il s'est barré du truc, il m'a baisé. Non, non, il t'a pas baisé. C'est ce qui te reste. Tu te restes que Adé peut-être et t'es pas sûr, Emma, qui est là. Laisse-moi la cale, laisse-moi sortir. Toi, tu te mets à genoux et c'est tout fin. Pour tirer, hein. Mais tu vas faire quoi? Je vais faire le boulot, c'est tout. Je vais en faire 1, 2, 3 et puis voilà après. Tu vas tirer en tout et c'est tout. Fuck! Fuck! Si, on va négocier, on va négocier. Fais-moi confiance, gros. Ok. Très bien. Je sais pas quoi faire, Renoir. Fais-moi confiance, gros, laisse-toi guider. Je crois que je veux pas tomber ou quoi? Regarde dans quoi je me suis embarqué avec toi. Dépose-moi tout. Au moins, toi, tu vas te faire arrêter avec rien sur toi. Donne-moi tout ce qui peut être illégal. Tu lui donnes tout. Tu te mets à genoux, c'est tout fin. Non, moi, je gère le reste. Je vais jamais me le pardonner, frère. C'est très bien. Oh, ils avancent! Fais gaffe. Ils avancent, Renoir, ils avancent! Ah bah, fais gaffe, gros. Vas-y, je prends des retards. Ok, attends. Besoin de fumigène si besoin? Enfin, si quelqu'un? Ouais, besoin de fumigène si possible. Je voudrais qu'on smoke la petite pièce au fond. Ok. Attention, attention. Mes collègues, je vais avancer à gauche. Laissez le point. Individu. Laissez le pont en priorité. Ok. Écoutez-moi, chut. On a neutralisé un individu, maintenant on progresse petit à petit. Un autre individu neutralisé. Ok. C'est pas fini. Une personne avec moi, 107 avec moi. Shwing. 3, 2, 1, tape à terre. Dash. Clear. Dash, Renoir. Clear. Ok, c'est bon. On en a que deux. Allez, Skittle, allez, putain, Skittle. Un agent avec moi, s'il vous plaît, qui me couvre. Vas-y. Dash. Allez, Skittle, putain. Pas de conneries, là, allez. Allez, lâche pas le gène. Fais les premiers soins, appuie sur les boutons. Oh, il s'en mord d'où? Skittle, calme-toi, Skittle, regarde-moi. Calme-toi, Skittle, respire. Respire, doucement, Skittle. J'appuie dessus, Skittle, doucement, respire. Okay. J'appelle les unités médicales. Oh ouais. Respire, doucement, ok. Il est où, Dash?
Dash, il est en train de s'être... Des agents s'occupent de lui, t'en fais pas pour ça, ok? Respire tout doucement. Charlie, tu peux couvrir Adam, s'il te plaît? Calme-toi, c'est ça, c'est bien. Continue comme ça, ce qui te... Allez, tu vas t'en sortir. Allez, respire, Skittle, tout doucement. Y'a plus personne? Respire, Skittle. Ok. Oh. Ok. Ok, on va éviter de déplacer, on va faire venir les médecins en priorité, ok? C'est bon, je les ai contactés. Fais-lui un point de compression au maximum et de la respirer, prends le pouls régulièrement, Aaron, ok? Allez, Skittle, garde les yeux ouverts, continue encore à me parler. Ok, sans ça, tu vas surveiller, moi je vais revenir. T'as fait quoi de en ce moment? T'étais où? Tu t'es caché? Non, hé, Skittle, hé! Hé, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher là! Skittle! Hé, reste. Voilà, c'est bien, ouvre les yeux, c'est bien, Skittle! Draco, il est où? Dash, il est en train de se faire occuper, t'inquiète pas, il est en bon état pour l'instant, ok? Ok, continue. Tiens le coup. Allez, tiens bon, Skittle, ok? Tu gardes les yeux ouverts, promis? Tiens-moi la main. Ok. Allez, serre-moi la main de toutes tes forces comme tu peux, d'accord? Allez, je continue encore à appuyer sur la plaie, Skittle. Mon ventre, c'est mal. Calme-toi, je sais, c'est normal, Skittle, c'est normal. Allez, continue encore à respirer petit à petit. Doucement. Okay. Voilà, calme-toi, tranquillement, c'est respire bien, Skittle, doucement. Continue comme ça, Skittle. J'appuie encore. Fais voir une autre compresse à l'arrière de mon gilet, s'il te plaît. Tiens, bouge-moi. C'est ça, c'est bien, continue comme ça, Skittle. Continue comme ça. Okay. Tiens. Ok, Skittle, tu sais, je suis qui, moi? Non. C'est McTavish, ton client le plus fidèle de Skittocase, ok? C'est moi qui t'ai donné la commode, ok? Allez, Skittle, tu me promets, tu fais tout pour rester en vie, ok? Ok, je fais tout pour tenir. Je te connais. Oui, tu me connais. Putain, Skittle, allez, continue. J'ai pas envie que tu finisses entre quatre planches là, allez. Hein. T'es un bon gars, Skittle. T'as fait de belles choses dans la vie, c'est pas maintenant qu'il faut que tu lâches. Garde les yeux ouverts là, allez. Tu me serres la main. C'est ça, calme-toi, c'est bien. Voilà, tranquillement, respire. Voilà, c'est bon. Ok. J'arrive pas. C'est normal, je sais que ça fait mal. Mais prends des plus petites respirations, d'accord? Ok? Continue comme ça, c'est très bien, Skittle. C'est très bien. Garde les yeux ouverts. C'est bien, Skittle. Ah, t'as fait quoi dans ta vie? T'as fait quel pays? T'es né où? T'as de la famille? Il est où, mon frère? Ils sont en train de s'occuper de lui, là. T'en fais pas, il est entre de bonnes mains, d'accord? Il est tiré d'affaire. Ok? Allez, continue comme ça, c'est bien, Skittle. T'as encore de grandes choses à accomplir, Skittle. C'est pas ton heure, Skittle. Continue comme ça. Faut l'appeler. Appeler qui? Faut l'appeler. Skittle, appeler qui? Lei. Ok, Lei sera appelé, d'accord? Faut l'appeler. Là, il saura appeler, d'accord? Mais pour l'instant, continue comme ça, Skittle. Continue encore à garder les yeux ouverts. Respire tout doucement. Il faut appeler qui? Je t'avais dit, Skittle, c'est normal. Lei. Faut l'appeler. Il a demandé d'appeler Lei. Tu vas appeler Lei? Pourquoi faire? Tu vas appeler Lei? C'est mon cousin. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Je vais l'appeler. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Dis-lui. Ok, doucement, Skittle, ok? Tu prends une petite respiration, n'hésite pas à dire des petits mots, ok? Tu prends ton temps. Ok. Qu'est-ce que je lui dis? Mon ventre. Allez, Skittle, allez, c'est... Mon ventre. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise à Lei? Je sens plus mon ventre. Allô, Lei? Ouais, je suis avec Skittle, ça, il voulait dire un truc. Qu'est-ce que tu veux lui dire, Skittle? Je transmets. Dis-lui... Fuck. Dis-lui que je l'aime, Renaud. Il a dit il t'aime. Lui aussi, Skittle. Allez, Skittle. Lui aussi, il t'aime. Allez, Skittle, continue comme ça, tu gardes les yeux ouverts, ok? Ok. T'as vu, là, il t'a dit comme quoi il t'aimait, il compte sur toi. Il sait très bien que j'entends ça. Il a dit accroche-toi. Regarde pas tes mains, Skittle, d'accord? Regarde juste moi, ok? Regarde-moi, ok? Tu continues à me regarder, tu respires tout doucement, ok? Allez, reste encore. Ça va aller. Hé, Skittle, regarde-moi. C'est bon? Je sens plus mon ventre.
Il y a les EMS qui arrivent, les EMS arrivent, les EMS arrivent, ok. Est-ce que vous... Attendez, je vais... Allez, continue comme ça, Skittle, c'est bien ce que tu fais, Skittle, c'est bien. Continue comme ça. Ils arrivent. Que tu sens plus ton ventre, c'est normal. C'est normal, c'est la douleur. Qu'est-ce qui se passe là, c'est qui là? Il a pris un coup de pompe, Skittle. Oh. Sur une colonne d'assaut. Dash, il va s'en sortir, Dash, t'en fais pas pour ça. Donc maintenant, c'est à ton tour de gérer. Tu veux le revoir, Dash? Tu veux revoir Lei? C'est ça, Skittle? Oui. Eh ben alors, fais en sorte de sortir d'ici. Tu restes debout encore. Ils sont où les autres? Là. Blessure par balle, fusil à pompe au niveau du ventre. Il continue encore à saigner, j'ai fait une compresse. Il lui faut si possible une poche de sang et il sent plus son ventre actuellement. On va s'en occuper. Écaltez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. Aidez-moi. On va vous aider, Accrochez-vous. Il a pris une balle de fusil à pompe sur le ventre, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Oui. Okay. Accrochez-vous, seigneur. Restez avec nous. Eh, Skittle, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu prends de petites respirations, d'accord? Ok, voilà, c'est bien ce que tu fais. Continue comme ça. Continue, Skittle. C'est mon sang? Non, c'est le mien, Skittle. Panique pas, d'accord? T'as lâché 17, t'es un bon, tu veux toi et moi je ramasse le savon, je t'aime de fou. Ouais, t'es un bavant, je me mets tout nu et je te baisse à fond. Je soulève la fonte, mais mon porte-monnaie est trop lourd. Ça a niqué l'ambiance, débile. J'ai plus de respiration, sa mère, mais je te fais. Ça a trop niqué l'ambiance, je suis mort. Attends. Riz, vas-y, je te laisse faire si tu veux le désarmer. Attends. Allez, c'est bien ce que tu fais, Skittle, continue comme ça. J'ai pas eu Reese. Non, t'as pas eu Reese. Et je t'ai pas eu non plus, Skittle. Aidez-moi à le poser sur le brancard. Donc ça va aller. C'est Aaron Adam. Je vais mourrir. Tu le sais très bien. Il est en aussi un par là. Il a l'air décédé. Ouais. Je suis désolé, Dash. On va aider les médecins. Je suis désolé, c'est ma faute. Accrochez-vous, seigneur. Au final, pour les dire, Dash. Je suis désolé, Dash. Y'a Lei qui arrive, D'accord, accroche-toi, Skittles. Accroche-toi, Lei, il arrive. Adam, je t'attends aussi en bas. T'as que des personnes décédées, Dash. Ouais, l'autre il est décédé là-haut. Ok, il reste une personne blessée à l'intérieur. Voici. Je t'attends pour le décoller. Makina. Tant qu'il y a quoi? Je vous laisse exercer la pression du coup par dessus le pansement complet. Ouais, je le fais sur les deux là, je le fais sur les deux. Parfait. Parce qu'elle reste un blessé derrière. Pour la personne décédée à l'intérieur, on va pouvoir la récupérer tout de suite. On va d'abord soigner les patients. Comment je ferais douce pour voir la tête de Basique? Eh, sale bâtard, heureusement j'ai pas ma cam. À la honte, sa grand-mère. Les gens qui regardent la rediff sans la musique, ils sont à l'envers. On a un cadavre aussi, nous et tout l'ABC. Charlie, pouvez-vous nous faire l'ambulance à l'hôpital? Négatif, on est mes partenaires. C'est bon, allez-y, je suis là, allez-y, roulez là. Il est où, Dash? Roulez. Bah, mais en fait, on attend. Mais il reste une personne blessée. Oui, Del? C'est nous qui on vous escorte du coup. Roule! Et le blessé? Le blessé, il arrive, il est en train de se faire porter là. À la limite, il peut être ramené par le SSP. Mais oui, ouais, ouais. Ok, vas-y, ou super, on le ramènera avec le SSP. Oui, c'est au niveau de la jambe. Vas-y, allez, c'est au niveau de la jambe, roule. Il est blessé? Ouais, il est blessé. Ok, viens, vite. Le blessé, pour l'instant, le chien, on le ramènera après. Tu vas rouler, oui? Oui, on y va. Allez! J'arrive pas à monter. Ah, attends.
T'entends quoi? Non, t'entends quoi? Vas-y. Mets-moi le pire. Sens plus mon ventre. Sens plus rien. Allez-y. On est avec vous. Oui. Idiel, je te laisse mettre une. Ouais. Une perfusion, oui. Monsieur. Ouais, voilà. Merci. Monsieur, continuez à respirer calmement. Essayez de vous détendre. Tout va bien se passer, d'accord? Ok. Vous allez encore sentir une légère piqûre. C'est l'aiguille pour la perfusion, vous inquiétez pas. J'ai froid. Ok, bougez pas. Je vous mets une couverture chauffante. Voilà. Respirez calmement. Dash, il est où? C'est qui Dash? C'est Lei? Non. Dash, je sais pas où il est Dash, moi je sais pas. Je sais pas ce qu'il te... Je sais pas. Mon téléphone il sonne. Oui, c'est pas le moment. Allez, on est arrivé. Accroche-toi mon vieux. Accroche-toi. C'est le RM. Il y aurait un médecin disponible ou pas? Blessure par balle ici. Yo, Skittles! Monsieur, vous inquiétez pas, tout va bien. Sur place. Non, Macron, je suis disponible. Non, ok, on descend. Pardon. Ok monsieur, comment vous vous appelez? Skittles. D'accord monsieur Skittles. Skittles, c'est mon nom. C'est fini. Est-ce que vous savez où vous êtes monsieur Skittles? Non. Que vous reconnaissez l'endroit? Non. D'accord. On est à l'hôpital. Vous inquiétez pas, on va vous prendre en charge. Là, je vous emmène au bloc, d'accord? Là, je vais vous aider à vous transférer sur la table d'opération.